Hey, salam alaikum Nice Active, bienvenue ma belle. Salam alaikum les filles, bienvenue. J'espère que vous allez bien. C'est ça que je mets. J'espère que vous allez bien les filles. On se retrouve ce soir pour ce live diamant. Walaikum salam, ça va, alhamdoulilah, et toi? Oui, alhamdoulilah, je vais toujours bien. Quand on est ensemble comme ça, je peux que aller bien. Je ne peux que bien aller. J'ai trop trop hâte. Coucou, Shaynaz. Coucou, bienvenue sur les lives. Donc le live commence à 21h. On attend un petit peu, quelques minutes. Oh là là, les cœurs commencent à affluer. T'es trop mignonne. Coucou BS Kadi. J'espère que tu vas bien, ma belle. Bienvenue sur le live. Salam alaikum, Dioumaï, Ismail, Idriss. J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Je vais te faire coucou. Tac. Comment ça va, ma douce? Je vais très très bien. Très très bien, surtout avec le live de ce soir-là. Ça va être le show, je le sens. Je le sens, je le sens. Salam, ma belle Asta 2 de 23. Walaikum salam, BSKadi me dit. Coucou, Ramata Sibi, bienvenue sur le live. Alhamdulillah, et toi? Oui, Alhamdulillah, toujours. Toujours Alhamdulillah. Je vais ajouter des amis parce que je sais qu'il y a des filles là. Elles voulaient vraiment participer à ce live. Donc je les invite tout de suite. Invité. Tac. Activé. Donc les filles, franchement, le live de ce soir, là, c'est du lourd. Hein. Franchement, si toi, tu veux être une femme diamant, hey, faut pas rater ce live-là. Ce live-là, il va être tellement, tellement fort en émotion. Je commence déjà à être émue alors qu'on n'a pas encore commencé. Nissati m'a dit, t'es toute belle là. Oh, t'es trop mignonne. Toi aussi, t'es toute belle là. J'en suis sûre. Ramata Sibi m'a dit, salam alaikum. Alaikum salam, ma belle. Ramata, j'espère que tu vas bien, bébé. Un live diamant. Un live. Hey. Moi, je vous dis, les filles, après ce live, je vais rester dans votre tête. C'est-à-dire que tout le monde va dormir hein, chez vous. Ton mari, là, il est à côté, il dort. Ton mari, il est à côté, il dort, mais toi, tu vas réfléchir à ce que je vais dire aujourd'hui. Comment devenir légendaire? Vous avez déjà entendu ça quelque part, vous? Comment devenir légendaire? C'est de ça dont il va s'agir ce soir. Coucou, ma belle Nora. Coucou, Créa Cook. Coucou, Créa Cook. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai ajouté là? Attends, j'ai fait quoi là? Elle m'a dit, elle peut pas se joindre. D'accord. Coucou, Créa Cook. J'espère que tu vas bien, ma belle. Qu'est-ce que tu nous as cuisiné ce soir? Parce que moi, je vous ai cuisiné une recette diamant. Un live diamant. Un live légendaire. Toi, madame, après ce live, tu ne seras plus pareil. Parce que ce que je vais révéler là, non, tu n'es pas prête. Donc, vraiment, va chercher un petit peu. Un petit déshydratant, un petit truc, un petit peu qui va te permettre d'être bien. Si c'est de la nourriture, si c'est du pop-corn, si c'est du thé, prends ça. Voilà, comme ça, le cerveau, il a de quoi hein, s'activer. Il a de quoi s'activer parce que c'est du lourd. Hein. Non, vous n'êtes pas prête. Moi-même, je ne suis pas prête là. Déjà, juste d'y penser, déjà, ça m'émeut. Je dis, et Madame Loose, tu vas parler de ça, quoi. Incroyable, incroyable. Hey Maggie, j'espère que tu vas bien. Maggie ou Maggie, désolée si j'écorche un petit peu les pseudos. Coucou Hawadram Zero, bienvenue ma belle. Bienvenue. Alors, il est combien là? Il est 21h01, ok. Ah, Shailene a dit, je mange du chocolat. Très bien. Très bien, prends du chocolat, comme ça va te donner de la force. C'est du lourd. J'attends encore quelques minutes. J'attends encore quelques minutes. Coucou Fatim Doudou, j'espère que tu vas bien ma belle. Bienvenue sur le live. Shailene a dit je suis prête. Je suis prête. Ok.
Créacook a dit, j'ai mangé un tacos MDR. Ah, donc toi, tu as mangé, tu nous as pas partagé, quoi. Genre, tu manges toi toute seule. Et puis, tu nous dis ça sereinement. Tu dis ça sereinement. Genre, tu as mangé, tu as rassasié, puis tu as cru ça, puis tu as ri, quoi. Bon, félicitations. Arkia Gaku, coucou ma belle. Bienvenue sur le live. Un live qui va s'avérer vraiment diamant. Je prépare mon eau. Hein, c'est pas de l'eau aujourd'hui, c'est du thé blanc. Je sais pas si vous aimez le thé blanc, j'aime trop le thé blanc aromatisé à la framboise. J'aime trop la framboise. Coucou ma belle, c'est la Walikum Abdillah. Non, des abonnés diamants, on vous dit. Walikum salam ma belle. Mouah. J'ai tellement hâte, tellement, tellement hâte. Bon, en attendant les filles qui arrivent, je veux juste vous rappeler les filles que franchement, n'hésitez pas à réserver votre premier consulting offert. Vous avez jusqu'à fin mars plein de réductions, donc n'hésitez vraiment pas à réserver votre premier consulting. Vous perdez absolument rien et vous repartez diamant pour cette année parce que cette année, c'est votre année. Cette année, c'est votre année. Donc n'hésitez pas à réserver votre premier consulting pour repartir avec une fiche complète de tout ce que vous devez savoir pour être diamant. Donc n'hésitez jamais. Et je tiens à préciser que les consultings offerts vont bientôt s'arrêter parce qu'on doit se concentrer sur nos, sur les personnes qu'on accompagne, sur nos coachés, sur plein de choses qui arrivent. Donc voilà, n'hésitez pas et ce sera, ça va bientôt se fermer. Donc de toute façon, je dis tout dans mes stories, hein. Coucou les filles, je vois qu'il y en a plein là qui arrivent. Hello Inostae, une femme diamant qui va venir samedi. Les filles, samedi, il y a un live sur le business. Si toi, madame, tu rêves de devenir entrepreneur, tu ne l'es pas, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas. C'est-à-dire qu'on te dit entreprise, tu dis non, mais d'abord, je vais faire des études de market et tout. Voilà, ce live, il est fait pour toi. Ou alors, si toi, madame, tu es déjà une femme d'affaires, tu fais un chiffre d'affaires à plus de 5K, 5K, 5 000, 10 000, ce live aussi, il est fait pour toi. Parce que dans ce live-là, on va parler des secrets qui te permettent d'avoir un business prospère, d'avoir un business diamant. Donc samedi, c'est la date à retenir, 21 h. Oum Abdillah a dit, je serai là. Elle a dit, je serai là. Elle a pas chipoté. Elle a dit, je serai là. Faut pas parler chinois, elle sera là. OK. Non, mais toi, tu es déjà diamant. Moi, je te connais. Bon, elle fait partie de, voilà, hein, des VIP. On se connaît. Moi-même, je sais que tu es là. Je n'ai même pas besoin de beaucoup parler avec toi. Salam alaikum, juste Aïcha. J'espère que tu vas bien. Bienvenue Aïcha. J'ai vu que ta photo de profil, il y a beaucoup de henné, un joli henné comme ça, un henné diamant. Merci. Attendez, je bois parce que il y a le chaud qui arrive, je le sens. OK. Bon, what's time is it? Il est 21 h 04. À 5, on commence. On commence parce qu'il y a beaucoup à dire. C'est un sujet qui vraiment me tient. Qui me tient à cœur. Parce que c'est un sujet qui touche vraiment, qui me touche vraiment. Je l'ai vu dans mon expérience et je me dis non, je ne peux pas garder ça pour moi. Je ne peux pas garder ça comme pour moi. Je sais maintenant, je connais les règles pour devenir légendaire. Donc, je dois partager ça à mes sœurs. C'est pas possible que je garde ça pour moi. Voilà. Je regarde le timing. OK, il est 5. Bismillah, on y go. Donc, le sujet de ce soir, quel est-il, Madame Luz? Le sujet de ce soir est comment devenir légendaire. Je répète, comment devenir légendaire. C'est-à-dire que toi qui m'écoutes, madame, quand tu penses à la légende, à qui tu penses? Tu penses à une personne qui a extrêmement réussi sa vie. Tu penses à une personne qui, quand on pense à ses accomplissements, on se dit waouh. On se dit non, franchement, elle là. Non, franchement, lui, là, waouh, c'est tellement inspirant. La seule chose qui vient à toi, c'est tellement inspirant. Les envieux vont dire, non, elle n'a rien fait. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Toi, tu es une abonnée diamant. Je sais que tu n'es pas comme ça. Tu n'as pas ce temps pour penser comme ça. Mais quand tu entends ces accomplissements, tu te dis, waouh, incroyable. Quand tu lis les biographies et les récits prophétiques, tu dis, waouh, incroyable. Subhanallah, c'est toi. C'est toi qui vis ça tout le temps. Donc aujourd'hui, je vais te donner tous les secrets pour que toi aussi, tu sois une femme. Tu sois une femme qui, lorsqu'elle quitte ce bas monde,
Tu sens une femme que lorsqu'on pense à elle, on ne peut que dire waouh. On ne peut que dire waouh, masha'Allah. On ne peut que dire oh, c'est inspirant. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Est-ce que vous êtes prêtes pour le show là? Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Les cœurs sont mon carburant. Les cœurs sont mon carburant. Attendez, il faut que j'appelle une guest. Vite, vite. Oh. Voilà. Avant de commencer, il faut que je me présente. Il faut que je me présente pour que vous sachiez quand même qui se cache derrière ce message. Qui se cache derrière ce sujet un petit peu bizarre. Comment devenir légendaire? On n'a jamais vu ça. C'est quelle appellation ça? Je suis Madame Luce, la tailleuse de diamants, la déléguée des femmes, la porte-parole des femmes, les femmes de toutes les couleurs, les femmes de toutes les religions. Oui, les femmes de tous les horizons. J'aide les femmes à exprimer leur douleur. J'aide les femmes à parler la langue du cœur. J'aide les femmes à s'estimer à leur juste valeur. Parce que chaque femme, je dis bien chaque femme, mérite de briller. Si tu es petite, oh, ça c'est pas mon problème. Tu es chrétienne, oh, ça c'est pas mon problème. Tu es musulmane, oh, ça c'est pas mon problème. Si tu es femme, tu mérites de briller. Mettez les cœurs si vous êtes d'accord. Mettez les cœurs si vous êtes d'accord. OK. OK, je vois que, ouais, ça prend. Je vois que les cœurs sont là, ils affluent, ils affluent, ils affluent. Ouh! Oumu Soussou a commencé à me suivre. Une abonnée diamant, une abonnée qui sait que là, ce n'est pas n'importe qui. On n'est pas avec n'importe qui. Toutes les femmes qui sont là, ce sont des femmes diamants. Donc elle-même, elle sait que, ah, elle doit s'abonner. Bienvenue à toi, madame. Tu as fait le bon choix. Tu vas jamais regretter ça. Tu vas jamais regretter. OK, on y va. Donc, comment devenir légendaire? Coucou, ma belle Nadia, j'espère que tu vas bien. Comment devenir légendaire? Avant de commencer, pour savoir la légende, il faut que je vous explique qu'est-ce que c'est qu'une légende. Qu'est-ce que c'est qu'une légende? Comme je l'ai dit en introduction, une légende, c'est quand on colle ton nom à côté. On colle ton nom à côté de ce que tu as accompli. On colle ton nom à côté de ton noble comportement. On colle ton nom à côté d'une réalisation. On colle ton nom à côté de quelque chose d'incroyable que tu as fait. C'est ça la légende. C'est-à-dire que quand tu quittes ce bas monde, quand tu quittes ce bas monde, cette terre, tout le monde, la majorité, ils disent waouh, ton nom est écrit en lettres diamants. C'est ça la légende. Quand ton nom, il est écrit en lettres diamants, non seulement il est écrit en lettres diamants sur cette terre, mais il est écrit en lettres diamants dans les cieux. Vous avez entendu ça où? Vous avez entendu ça où là? Qu'on peut avoir son prénom qui est écrit sur cette terre et dans les cieux? Oui, on peut, quand on est légendaire. Quand on est une personne légendaire, quand on est une personne qui aspire à la brillance comme mode de vie, quand on est une personne qui aspire à la vérité, on ne peut que être légendaire. Et dans les cieux, notre prénom est chanté. En bas là, dans ce bas monde, notre prénom est chanté partout, toujours dans la brillance, toujours dans la lumière. C'est ça qu'on recherche. Toi qui t'as abonné à ma page, le fait de s'estimer à sa juste valeur, c'est la première étape. Pour arriver à ça là, à la légende, la première chose, c'est de pouvoir avoir confiance en soi. Moi, je vois des gens qui me disent, même des abonnés, hein, des femmes que je coachais. Au début, elles me disaient, mais Madame Luce, moi, je ne comprends pas. Quand je suis venue à toi, j'ai pensé que j'avais confiance en moi. Mais quand je t'entends parler, je sens que... Non, y a des niveaux dans la confiance en soi, bien sûr. Avoir confiance en soi, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Parce que toi, en tant qu'être humain, tu as plusieurs dimensions. Oh là là, les cœurs affluent, les cœurs affluent, les cœurs affluent. En tant qu'être humain, tu as beaucoup de dimensions. Tu as ta première dimension, c'est-à-dire ton corps là, qui est là, qui a grandi. Ton âge. D'ailleurs, le corps là, on le définit par l'âge. On le définit par sa culture. On le définit par son genre, etc., etc. Ça, c'est ta première dimension.
Attention, là, ce que je vais dire, là, c'est très abstrait. On va rentrer dans la philosophie. On va rentrer dans des choses qui touchent vraiment. C'est incroyable. Donc, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me dire. De toute façon, il y aura une session de questions-réponses. Donc, ça, c'est la première partie qui te compose. Quand on passe à un tel, on dit, ah, Nina. Nina, elle a 25 ans. Nina, c'est la fille d'un tel. Nina, c'est l'épouse d'un tel. Nina, c'est la maman d'un tel. Ça, c'est la première partie. Il y a la deuxième partie, c'est l'intellect. Qu'est-ce que tu produis intellectuellement? Quand tu parles, qu'est-ce que tu dis? Quand tu parles, est-ce que c'est quelque chose qu'on sent qu'il y a de l'argumentation? Est-ce que tu écris? Est-ce que tu es une personne qui peut écrire? C'est pas une forcément de ne pas faire de faute d'orthographe, hein. Non, non. C'est dans le sens où est-ce que ce que tu dis, c'est ça de la valeur, quoi. On sent que oui, il y a quelqu'un qui réfléchit dedans. Là, lui, on lui a donné la raison, mais c'est pour réfléchir. Cet être humain. Oh là là, les cœurs affluent. Oui, bienvenue à toi, Niamey. Bienvenue à toi, FM Administration. Que des gens diamants. Que des femmes diamants. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, pardon, l'intellect. Et puis, il y a ta conscience. Voilà, là déjà, on est à un autre niveau. On est dans la conscience, à un niveau supérieur. Dans ta conscience, comment est-ce que tu agis? Vous savez, il y a des gens, quand ils ont mal, on peut avoir mal avec la main. Par exemple, il y a un moustique qui te pique, bim, ça augmente. Par exemple, là, je me suis brûlée. Voilà, ça se voit un peu. Je me suis brûlée, il y a une trace. Et il y a des gens, quand ils parlent mal, quand ils agissent mal avec leurs membres, ils ont mal. Mais ils ont pas mal dans la chair, hein. Ils ont mal dans leur conscience. Et ils ont tellement mal que ça fait que le corps même, il a l'impression d'avoir été touché par ce mal. Par exemple, la langue. Il y a des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement disciplinés, leur conscience, à dire de bonnes choses, à utiliser leur langue pour dire de bonnes choses, que quand ils disent une mauvaise chose, tout de suite, leur langue leur fait mal. Vous connaissez cette qualité-là? Des gens diamants comme ça? Des gens diamants comme ça, c'est-à-dire que dès qu'ils font quelque chose de mal, ils insultent ou ils disent quelque chose de méchant, tout de suite ils ont mal à la langue. C'est pas parce qu'on les a piqués ou parce qu'il y a eu du piment, non. C'est parce que leur conscience les a rappelés que oh, on fait pas ça là, on fait pas ça. Voilà, c'est ça la conscience, c'est ça la conscience. Donc la première chose, toi madame qui m'écoute, si tu veux devenir légendaire, il faut que tu apprennes à t'estimer à ta juste valeur. Il faut que tu apprennes à avoir confiance en toi. Et avoir confiance en toi, ça passe par des grades. Il y a avoir confiance en soi quand on se regarde dans le miroir, on se dit waouh, eh ben, ouais, moi je, ouais. Dieu, tu m'as créé, c'est sûr, c'est toi. Il y a ça, il y a ce niveau-là. Et puis avoir confiance en soi, et le plus haut niveau, c'est quoi? C'est quand tu as tellement confiance en toi que tu as accès à un autre monde, que tu fais plus partie des gens. Bon, tu fais plus partie de la masse. Que tu le veuilles ou non, tu fais plus partie. Parce que tu rentres dans un autre niveau de conscience. C'est ça, le Graal à atteindre. Le Graal. Et sachez que ce Graal-là, il ne fait que augmenter, 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 augmenter. Voilà. Donc, maintenant, la question que vous vous posez tous, c'est comment on fait pour aller là-bas, là, comment le grade que tu expliques, là, que tu décris. Comment on fait? La première chose à savoir, c'est que tu dois savoir qui tu es. Toi, madame qui m'écoute, qui tu es? Est-ce que tu te connais par cœur? Est-ce que tu connais ta nature? Est-ce que tu connais ton essence? C'est ça, la première chose. Te connaître parfaitement. Dans tous les recoins, tu te connais. Diary a dit tout en gardant son humilité. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, oui, ça c'est important de dire ça. La personne qui cherche à être légendaire, elle porte toujours les lunettes de la vérité. C'est-à-dire qu'elle observe les choses comme la vérité le conçoit. En tant que croyante, ta vérité, elle se trouve dans la vérité absolue, dans la parole divine. En tant que non-croyant, la vérité se trouve dans les sciences humaines. Voilà. Donc, Oum Abdillah a dit, on veut les clés. T'inquiète pas, ma belle, on arrive, on arrive. Non, ça c'est une femme qui va devenir légendaire. Ça c'est une femme qui va devenir légendaire, ça. Elle veut savoir comment on fait. T'inquiète, on arrive. Donc, quand tu as confiance en toi, quand tu as confiance en toi avec humilité,
Avec humilité, bien sûr, toujours dans l'humilité, dans la vérité. Tu accèdes à un niveau où tu te demandes, mais qui es-tu? Qui es-tu? Si j'enlève toutes ces couches sociales que j'ai citées tout à l'heure, ton âge, ta couleur de peau, tes origines, tu es l'enfant, tu es la fille, tu es l'époux, ok, tu es le conseiller, tu es l'arbitre, tu es l'éboueur, tu es le maire, ok. Mais quand on enlève tout ça, qui es-tu? Dans ton essence, tu dois savoir qui tu es. Parce que quand tu sais qui tu es, quand tu comprends enfin que toi, mesdames qui m'écoutent, tu es une pierre précieuse, c'est là, c'est à ce moment-là précisément que peut commencer ton taillage. Tu vas te laisser guider. Tu vas te laisser guider pour qu'on te taille, 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 jusqu'à ce que ton polissage peut commencer à s'activer. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, parce que le nouveau site est sorti lundi. Le nouveau site est sorti lundi. Un site incroyable, un site que vraiment, où j'ai mis tout mon amour, c'est moi qui l'ai créé. Et dans ce site-là, j'ai bien expliqué les étapes du taillage. Dans le taillage, c'est pas moi qui dis, hein, c'est la haute joaillerie. C'est la haute joaillerie. Dans le taillage, il y a plusieurs étapes. Il y a le clivage. Le clivage, on enlève les impuretés. On enlève ce qui ne va pas. Ensuite, il y a le polissage. On est là, on polit, on polit, on polit. Et ensuite, il y a le sillage. Le sillage pour faire les finitions. Et ensuite, on te révèle. On te révèle et on te met en vente comme un diamant étincelant. Et tu brilles éternellement. Subhanallah. Mettez des cœurs, les filles. Mettez des cœurs, là. Mettez des cœurs. Oh là là. Ah! Est-ce que vous voulez briller éternellement? Est-ce que vous voulez briller éternellement, les filles? Mettez-moi les cœurs, comme ça, je sais. Et puis, on va avancer. On va avancer. Attendez, je bois. Je bois mon thé, hein. Oh là là. Il y a peu de cœurs, hein. Franchement. Je ne sais pas si c'est le retard. Ok, les cœurs explosent. Les cœurs explosent. Seigneur, merci. Ça veut dire que j'ai des abonnés diamants. Merci. Louange à toi. Ok. Donc là, vous voyez, directement quand tu sais qu'il y a des étapes. Il y a des étapes sur lesquelles passer. Parmi les premières étapes, c'est de comprendre que ça va prendre du temps. Avoir confiance en temps, au temps. En tant que croyant, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la notion de destin. Il y a la notion de destin. Ça, c'est la première chose à comprendre. Quel est ton destin, toi qui m'écoutes? Et puis d'ailleurs, chez les êtres humains, en fait, quelles sont les voies par lesquelles il peut passer pour être légendaire? Toi qui m'écoutes, tu dois savoir ça. Moi, personnellement, en tant que croyante, je vais parler en tant que croyante, dans mon mode de vie, qui est l'islam. Tout est dit là-bas. On a dit que toi, en tant que musulman, tu as plusieurs destins. Ah bon? Oui, tu as plusieurs destins. En fonction des choix que tu fais, tu peux accéder à une issue différente. Plus tes choix sont dans la diamanterie, plus tes choix sont dans la brillance, plus tes choix sont dans la lumière, plus ton destin et plus l'issue, la fin sera incroyablement diamant. Oui. C'est ça que m'apprend la religion. Ensuite, elle nous apprend quoi? Elle nous apprend que l'inconfort fait partie des lois de cette terre pour devenir diamant. Pour devenir diamant, il faut passer par la difficulté. C'est inébranlable. Elle donne même pour exemple les prophètes pour dire que, ah, s'il y a bien des gens qui ont été éprouvés sur cette terre, c'est eux, hein? C'est eux. Et puis d'ailleurs, quand ils sont éprouvés, c'est des grandes épreuves que nous-mêmes, on ne peut même pas imaginer dans notre cerveau. Notre entendement, même s'il a envie de s'imaginer, on ne peut pas. On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la capacité de supporter. Parce qu'il est Dieu et juste dans ce qu'il fait. Donc, il leur a donné ce qui est supportable. Et puis, plus on monte dans la foi, plus nos épreuves s'accrue. Parce que Dieu sait que il y a du lourd qui arrive. Donc tu dois passer par le taillage pour devenir diamant. Tu dois passer absolument par cette case-là de l'inconfort. Si tu ne passes pas par cette case de l'inconfort,
Fais attention. Fais attention. Fais très attention. Donc, ce que vous devez retenir, les filles, c'est que le destin, il y a plusieurs chemins. On a plusieurs voies qui s'offrent à nous. Mais c'est selon nos choix. Selon ce que tu choisis, tu accèdes à des destins différents, à des issues différentes. Donc, quelle est la voie que tu vas choisir? Est-ce la voie facile? Est-ce la voie difficile? Est-ce que tu recherches l'inconfort? Est-ce que tu recherches à être dans la difficulté parce que tu sais que la difficulté amène ensuite la facilité? C'est un verset du Coran. Ça va de pair. La difficulté fait accéder à la facilité. Ça va de pair. Est-ce que tu acceptes cette loi? Est-ce que tu acceptes le fait d'être dans l'inconfort? Est-ce que tu as peur de l'inconfort? Est-ce que tu as peur de l'épreuve? Si tu veux devenir légendaire, sache-le. Tu dois être amoureuse de l'inconfort. Je répète, amoureuse de l'inconfort. Que dans ta vie, dans les mois qui passent, tu dois te demander, mais c'est pas vrai, quoi. Ça fait 2 mois, 3 mois, je suis trop dans le confort. J'empiètre dans le confort. Les gens légendaires, quand ils sont comme ça, dans cet état-là, ils sont pas bien. Hein. Ça les stresse. Ça les stresse. Ils disent, Seigneur, Seigneur, envoie les épreuves, envoie le lourd, là. J'ai trop duré. Ça les stresse. Eux-mêmes, ils s'inquiètent, ils disent, mais ça fait longtemps quand même. Ça fait longtemps là. Et ils commencent à compter. 1, 2, 3, 4, 5. Hé, ça fait 6 mois. J'ai pas eu ça, j'ai pas eu ci. Oui. Donc, si tu veux être légendaire, tu dois tomber amoureuse de l'épreuve. Bien sûr, toujours dans la juste mesure. Toujours et dans la juste mesure. Hein. Mais chaque personne aura toujours les capacités qu'il pourra supporter. Il aura toujours la capacité qu'il peut supporter. Shailene a dit, l'inconfort, ça fait peur aussi. Bien sûr, mais c'est ça que tu dois affronter justement. Est-ce que tu arrives toi-même à affronter cette peur? Et d'ailleurs, d'où vient la peur que tu as? D'où vient cette peur? Tu as peur de qui au juste? Tu as peur de qui? Parce que celui qui te donne l'issue favorable, qui est-ce? Il me semble que c'est lui qui sait mieux que toi. Il me semble que c'est lui qui va te donner toujours la meilleure des issues. Une issue insoupçonnable. Donc tu as peur de quoi au juste? Tu as peur de quoi? Non, n'aie pas peur, ma belle. Au contraire, quand tu as une épreuve que vraiment qui te semble incroyable, tu dois te dire, ah, voilà, là je suis vivante. Là mon taillage commence. Vous savez? Bon, il y aura une session après, je vais vous parler un petit peu de moi, comment j'ai accédé à la légende. Donc, quand tu acceptes enfin à cette vérité, tu te dis, ah, j'accepte d'être dans l'inconfort. J'accepte d'être dans la difficulté et j'aime la difficulté. Diary a dit, parfois les épreuves durent trop longtemps. Tu as dit trop longtemps, mais attends. Parce que la façon dont tu dis, on dirait que c'est toi, tu es le réalisateur, quoi. C'est ton film, et puis tu mets le court-métrage que tu veux. C'est toi qui mets, bon, ça va durer 1h40, ça va durer 1h50, ça va donner 2 heures. Hein? C'est ton film? Tu es l'actrice principale, donc c'est ton film. Non, parce que c'est ça. La façon dont tu parles, ça veut dire que c'est ton film. Ce n'est pas ton film, madame. Ce n'est pas ton film. Oh, allez, kiss salam, ma belle Pluméa. Oui, des abonnés diamants, je vous dis. Coucou, ma belle amie. Des abonnés diamants. Amie, une femme diamant, une femme diamant. Donc, ce n'est pas ton film. Donc, ces commentaires-là, ça montre que tu n'as pas compris encore la vérité. Tu n'as pas compris que ce n'est pas toi qui es aux commandes de ta vie. Il y a un réalisateur. Et ce n'est pas n'importe quel réalisateur, hein. C'est le meilleur des réalisateurs. C'est le meilleur des créateurs. Il a créé tout ça, tout ce bas monde. Il l'a créé facilement. Tous les jours, il ramène le soleil en haut et il le couche. Facilement. Il dit Kun Fayakun. Voilà. Walaikum salam, ma belle Dipa. Dipa, une coiffeuse diamant. Oh, communauté diamant, quoi. Je vous aime trop. Donc, toi, madame qui m'écoute, sache que quand tu dis trop longtemps, c'est ta perception d'être humain. Parce que c'est vrai, tu as le droit d'être fatigué. Tu dois être fatigué. Tu dois pleurer. C'est vrai, parce que ça dure longtemps.
Mais tu dois aussi, dans tes pleurs, dans ton inconfort, sourire en même temps. Parce que tu sais que bon, c'est illusoire. C'est parce que ta chair est trop faible. Ta chair est trop faible. Oui, ta chair est trop faible. Bien-être Moussé m'a dit, quand on regarde un peu autour de nous, les gens ont traîné des situations de souffrance qui continuent aujourd'hui, alors qu'ils se sont dit, avant, ça va aller. Voilà. C'est toujours. Voilà. Est-ce que c'est votre film? Est-ce que c'est votre. Non, parce que moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Dites-moi si vous êtes les réalisateurs. Parce que ça, vous voyez, c'est ça. C'est ça qui empêche. C'est ça qui empêche d'accéder à ce niveau d'abandon, d'accéder à ce niveau de légendarité. Je vais reprendre ça, mais c'est toujours ma réponse est toujours la même. C'est de dire qu'on se doit toujours de faire preuve d'humilité. Diary, tu parlais d'humilité, de faire preuve d'humilité et de dire que nous, on n'est que des acteurs. Le réalisateur, il est là, il nous dit, tu vas là, tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu vas là-bas. Nous, on suit seulement parce que c'est pas bon, c'est pas notre travail. On n'a pas les compétences pour réaliser. On a les compétences pour être des acteurs, simplement. On a les compétences pour être des actrices. Actrice principale, certes. Mais c'est Dieu le réalisateur. Ma belle Lou, ce débat sera trop long et amènera à d'autres choses. Oui. Non. Il y aura la session questions-réponses tout à l'heure. Ça va aller. On va en parler. Pourquoi on ne va pas parler? On va parler. Donc, quand tu as fini de comprendre enfin cette réalité, que l'épreuve, elle fait partie de la légendarité, tu es serein. Tu es serein, les amis. Tu es sereine. Madame, tu es sereine. Quand tu vois ton épreuve qui arrive, tu dis, ah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Dis l'épreuve nous paraît difficile, certes, mais la fin, c'est doux. Elle n'a pas mis doux simplement. Elle a mis doux. Ouais, vous voyez là. C'est doux plus plus. Le goût de ça, la compensation de ça, oui, c'est ça. C'est ça, dis pas, tu as tout dit. Donc, en tant que femme légendaire, tu te dois d'accepter l'inconfort. Tu te dois même de chercher l'inconfort. Quand tu cherches l'inconfort, tu sais déjà que la loi qui arrive là, c'est le confort. Et le confort là, il est doux de chez doux. Les filles, on vous parle des vraies choses là, hein? Moi, je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Il y a plein d'accoutchés qui viennent à moi et quand je leur donne les réponses, elles disent, ah, Madame Lou, c'est pas ça que j'attendais, hein? Je dis oui. Moi, je suis là pour te dire la vérité seulement. Je ne vais pas te caresser dans le sens du poil. Je ne peux pas. C'est fini. Parce que je veux que tu sois légendaire. Et pour être légendaire, il faut accepter la réalité. Et la réalité fait mal. C'est vrai. Souffrir là, ça fait mal. Mais c'est le meilleur moment, c'est le meilleur moyen pour toi, madame, de te tailler. De te tailler tel un diamant, encore et encore. De passer par les sillages, par le polissage, par le taillage qui va te rendre tellement brillante. Mais tellement brillante. Donc ça, c'est le point le plus important, madame, que tu dois retenir. C'est que pour être légendaire, il faut aimer l'épreuve. Il faut tomber amoureuse de l'épreuve. Il faut tomber amoureuse du challenge. Il faut tomber amoureuse du défi. Il faut tomber amoureuse de ce qui te fait mal, de ce qui te taille. Voilà. C'est ça. C'est ça qui est important. Les filles, si vous avez des questions et des commentaires diamants, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte à questions parce que sinon ça défile et après je les perds. D'accord? Ok. Bon. Voilà. Oum Abdillah a dit on veut la vérité et non le réconfort. Oui. Ça, c'est une femme légendaire. Ça, c'est une femme légendaire. On accède à la vérité. On accède à cette réalité qui est que oui, on doit souffrir pour être légendaire. Maintenant, ça s'est passé. Vous avez compris cette loi. La loi de l'inconfort, la loi de l'épreuve. Oh là là, une femme diamant nous fait coucou là. Il y a Miri Consulting qui est arrivée. Attention. Mettez des cœurs, les filles, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Oh, Miri, Miri, Mama. Mama. Mama, oh. Tu me donnes envie de chanter, quoi. Donc. Quand vous avez accédé à l'inconfort, tout de suite, vous cherchez l'étape supérieure. Ça va venir directement à toi. Parce que dès que tu commences dans ton état d'esprit, dans ton mental, tu commences déjà à mettre l'idée que tu cherches le challenge, tout de suite, tu sors de la masse.
Parce qu'on n'apprend ça nulle part, si ce n'est dans la parole divine. On n'apprend ça nulle part. Donc les gens, automatiquement, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte la dame là? Elle, tout le temps, elle cherche l'inconfort, elle cherche l'épreuve. Quand elle parle, on ne comprend pas. Oui, parce que tu es né pour être légendaire. Donc tu connais cette loi. Tu connais la difficulté. Tu cherches la difficulté. Donc tout de suite, tu sors de la masse. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, le plus important pour toi, le moment le plus opportun, c'est de chercher des mentors, de chercher des gens qui sont ambitieux et qui excellent dans ta passion. On a tous une passion, mais pour le savoir, il faut se connaître soi-même. On revient toujours à la même chose, il faut se connaître soi-même, il faut s'estimer à sa juste valeur. Il faut se connaître à sa juste valeur. Dès que tu connais ta valeur, dès que tu sais l'estimer, dès que tu sais l'évaluer, automatiquement, c'est automatique. Tu accèdes à ta légende. Oh! Mettez des cœurs, les filles, parce que ça, vraiment, non, c'est du lourd. Dès que tu as accédé à ta juste valeur, dès que tu sais pleinement qui tu es, ta légende te choisit. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, hein. C'est vrai, j'ai dit au début, vous avez vu, j'ai dit, il faut que tu connaisses ta passion. Il faut que tu aies un centre d'intérêt. C'est vrai. C'est vrai. J'ai dit ça. Mais ta légende, là, ta mission de vie, là, c'est pas toi qui l'as choisi. C'est pas toi qui choisis ça. C'est elle qui te choisit. C'est elle qui te choisit et c'est elle qui va te définir. C'est Dieu qui va la définir pour toi parce qu'il sait comment tu es. Il te connaît parfaitement dans tous les recoins, dans toutes les dimensions, que ce soit charnellement, que ce soit consciencieusement, que ce soit intellectuellement. Il sait que toi, là, ton potentiel, ton taillage, hey, l'univers n'est pas prêt. Les cieux même sont fatigués d'entendre ton nom. Sur cette terre aussi, on est fatigué. Voilà. Bien sûr, toujours dans la juste mesure. Toujours dans la vérité. Toujours dans l'humilité. De toute façon, ça va avec, hein. Vous savez, pour accéder à sa légendarité, pour accéder à sa légende, il faut toujours faire preuve d'humilité. Sinon, ça marche pas. Si tu fais ça pour la gloire, tu fais ça pour le narcissisme, bon, ça peut marcher, mais ce sera petit. Parce que tu vas briller, certes, sur cette terre, mais dans les cieux. Ça vaut zéro. Moi, je sais que tu es une femme ambitieuse. Je sais que toi, tu cherches à briller dans les deux univers. L'univers céleste et terrestre. N'est-ce pas? Oui, les cœurs affluent, vous voyez? Donc, toi, madame, dès que tu as compris, dès que tu as compris ta valeur, dès que tu as compris ta valeur, tu regardes la passion. Ta passion. Pour savoir ta passion, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour savoir ta passion, il faut choisir et réfléchir sur quel sujet tu pourrais parler pendant 2 heures. Là, je te donne un micro. Je te dis, parle-moi. Tu peux en parler pendant des heures et des heures sans t'arrêter. Même tu peux créer une série. Tellement tu as de l'imagination, tellement tu as de la créativité. Voilà. Et souvent, tu as plusieurs passions. Parce que tu es une femme diamant. Oui, les femmes diamants sont comme ça, hein. Elles ont plein de passions. Elles sont, bon, elles sont dans l'intellect. Elles aiment être stimulées tout le temps. Donc, tu vas exploiter ça, petit à petit. Tu vas voir que, ah, mais attends, moi j'aime trop la coiffure, hein. Ah, mais attends, moi j'aime trop la boxe. Ah, mais attends, moi j'aime trop le sujet qui tourne autour du féminin. Ah, attends, mais moi j'aime trop les sujets qui tournent autour du aîné. Voilà. De quoi tu peux parler pendant des heures? Fais une liste. Fais une liste de tout ça. Et ensuite, tu regardes les personnes qui peuvent t'aider à exploiter ce potentiel. Tu les cherches. Cherche-les, approche-les. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut approcher n'importe qui. Que tu sois au Japon, que tu sois en Australie, que tu sois en Chine, que tu sois aux États-Unis, au Canada, tu peux approcher tout le monde. Tu n'as plus d'excuses. Donc, cherche-les. Approche-les. Regarde-les. Étudie-les. Étudie-les. Et excelle dans toutes ces passions-là. Tu excelles, tu excelles, tu cherches, tu exploites. C'est-à-dire que ton taillage même, le diamant même est fatigué, ta brillance même est fatiguée. Oh. La brillance, le diamant même est fatigué, c'est quand même l'outil qui sert à tailler. Là, non. Il se dit, mais ah, l'outil même est fatigué.
tellement tu exploites, tu exploites, tu exploites, tu exploites. Omar Dila a dit la liste sera longue. Très bien. Très bien. Ça veut dire que toi, tu dois briller beaucoup. Plus la liste est longue, mieux c'est. Est-ce que je vous ai dit qu'il y a une petite liste? Non. On peut briller dans beaucoup de domaines. On peut briller dans beaucoup de domaines et il n'y a aucun mal à ça. Au contraire, c'est ça qui parfait ton taillage. C'est ça qui augmente ta valeur. Voilà. Donc, quand tu as cette liste qui est prête, tu regardes comment est-ce que tu peux viser dans l'excellence, dans chacun de ces domaines-là. Dans chacun de ces domaines, tu les exploites, tu les exploites, tu les exploites, tu les exploites, jusqu'à il y en a un qui va prendre. Obligé, automatiquement. C'est-à-dire que Dieu-même, il va ouvrir des portes. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, mais attends, on est où là? On est dans le petit poussé? C'est-à-dire que c'est comme les petits cailloux là qu'on jette comme ça, bam, 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 et toi, tu suis comme ça. Tu fermes les yeux, tu suis seulement. Parce que ce n'est pas toi qui as choisi. C'est Dieu, il sait où est-ce que tu vas être bien. C'est Dieu où il sait que ta brillance va aider. Voilà. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des gens, en un an, leur vie change du tout au tout. On se dit, mais c'est pas vrai. Comment ça se fait que cette personne-là, elle vient d'arriver et puis elle a fait. Il y en a qui disent le buzz. Ça, c'est pas le buzz, hein? C'est pas le buzz. C'est-à-dire que c'est une personne qui a travaillé tout au long de sa vie, qui a exploité un potentiel, et puis à un moment donné, on la remarque. Et on accepte que ouais, c'est vrai, toi tu gères. Mais dire que c'est le buzz, ça, c'est oublier que derrière ce buzz-là, il y a un travail. Derrière ce buzz, il y a un taillage invisible. Et à ce moment-là, c'est là que ta légende te choisit, ta mission de vie te choisit. Que tu le veuilles ou non, tu vas devenir malgré toi l'ambassadeur d'une cause. Tu vas devenir malgré toi responsable d'une cause. Ça a pris. Ton taillage a pris. Et c'est fini. Tu es inarrêtable. Mais tu te dois toujours de garder tout ce que je t'ai dit en tête. Accepter l'inconfort. Accepter la responsabilité. Accepter l'humilité. Accepter toutes ces choses qui te rendent légendaire. C'est du lourd, hein? C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Les filles, est-ce que vous avez compris, les filles? Je veux voir des oui dans les commentaires. Je veux voir des oui et des cœurs. Je veux voir des oui et des cœurs parce que ça, c'est du lourd. Ça, c'est du lourd, là, ce que je vous apprends, là. C'est du lourd. Je vais vous parler ensuite, après, de ma légende. Parce que, non, franchement, je veux vous donner tout ce soir. Je veux tout vous donner. On n'a plus le temps. Bien-être musulman m'a dit, mais oui, voilà. Le haut est parti, quoi. Il n'y avait pas le temps. Il dit, mais oui! Oh! On a compris, Madame Loust. Ok. Je sais que Bien-être musulman a compris. Il y a sept personnes qui me suivent. Je dois voir les sept personnes. Oum Abdillah a dit oui. Ok. Oum Abdillah a dit oui. Elle a mis un pouce en haut. Dipa a dit oui. Diary a dit oui. Elle n'a pas dit oui seulement. Elle a dit oui avec plusieurs i. Voilà. Voilà. Là, je sais que tu as compris, c'est sûr. Dipa a dit oui. Non, mais la fille, j'attends vos oui. Hein. J'attends vos oui. Parce que là, franchement, ça ne me donne pas envie de raconter mon histoire. Non, donnez-moi envie. Ah, Kadi a dit oui. BS Kadi a dit oui avec trois i. Ça veut dire qu'elle a compris une fois, deux fois, trois fois. Et voilà. Là, vous voyez, il y a des femmes légendaires ici. Là. Retenez bien les noms. Retenez bien les pseudos. Parce que tout ça, là, c'est des femmes légendaires qui arrivent. C'est des femmes légendaires en devenir. Incroyable. Vraiment, une communauté de diamants. Sister Power. Sister Power, elle a dit oui. Yee. Un nom vraiment diamant. Fatoumata a dit salam alaikum. Wa alaikum salam, madame. Wa alaikum salam. Prépare-toi. Prépare-toi. Il y a le show. Naïssou Création dit oui. Fatoumata 2 a dit oui. Ok. Ok. Jerry a dit, s'il te plaît, si, raconte-nous, madame Luce. Bon, je n'ai pas compté combien vous avez dit oui, mais je vais raconter. Je vais raconter. Ramata Sibi a dit oui. Abonné diamant, femme diamant en devenir. Vous là, moi je ne peux pas oublier vos noms. Attendez. Attendez. Je vais tout de suite faire un screen. Voilà. Comme ça, quand je vois vos légendes, je ne vais pas oublier ça. Oui. Oui. La beauté black est là. Bienvenue, beauté black. Bienvenue. Donc, je vais vous raconter comment j'ai accédé à ma légende. Quand j'étais jeune, je me disais vraiment, Seigneur, moi, mon rêve, honnêtement, mon rêve, hein, c'est d'être une parfaite maman,
de pomponner mon petit bébé, d'avoir mon mari, d'avoir ma petite vie d'épouse, d'être tranquille, quoi. Et puis de lire le Coran, de bien lire le Coran, apprendre le Coran de temps en temps à des gens qui veulent apprendre, apprendre l'arabe, voilà, lire parfaitement le Coran de manière tartile, avec les règles de tajwid. Bon, peut-être que j'apprendrai une autre récitation, mais voilà, quoi. Moi, mon rêve, c'est ça, et ça me complaît. Ça, c'était moi, hein. Quand j'étais jeune, j'avais peut-être, allez, on va dire 16, 17 ans. Et puis, je me suis intéressée grandement, comme je vous ai dit, à toujours regarder la vérité, observer les autres sciences, observer ce qui se passait. Et il y avait un sujet qui me passionnait, c'était de savoir quelle est la réussite. À quoi on évalue la réussite? En tant que croyant, on le sait tous, la réussite, c'est d'aspirer à être les plus rapprochés de Dieu, d'aspirer à être une personne pieuse, d'aspirer à mourir de manière diamant, de manière lumineuse, de manière agréée par notre Créateur et pouvoir le rencontrer au paradis éternel. En tant que croyante, c'est ça. C'était ça mon Graal, c'était ça ma légende. Moi, je me suis dit, franchement, si je meurs, j'arrive à faire la shahada, l'attestation de foi, c'est bon. J'ai fini, moi, pour moi, j'ai gagné, je suis parmi les croyantes. Ah oui, je suis parmi les croyantes. Et en fait, plus j'apprenais, c'est quoi ça? Plus j'apprenais, plus je me disais, mais il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui manque. J'étais là, je me disais, bon, j'apprends la science et tout, mais je vois que, en fait, c'est comme s'il y avait un manque. J'avais pas encore conscience de ce manque, mais en même temps, j'avais conscience de ce manque. Je cherche dans les autres personnalités, je vais sur YouTube et je tape comment réussir sa vie. Donc j'écoute des gens de grande influence, de riches milliardaires comme de riches bouddhistes, enfin des riches plus dit, des influents bouddhistes, comme des hindous, comme des sportifs de haut niveau, comme des gens qui vivent humblement. En fait, je cherchais qu'est-ce qu'ils disent? Comment réussir sa vie? Qu'est-ce qu'ils disent? Comment les rabbins disaient? Qu'est-ce que disent les rabbins au niveau de la réussite de vie? Qu'est-ce que disent les pasteurs au niveau de la réussite de vie? J'écoutais ce qu'ils disaient. Parce que moi, je savais déjà que l'islam, bon, il avait déjà tout dit. Mais j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. Et là, j'ai été frappée par une réalité. C'est qu'ils s'accordaient tous pour dire la même chose. Pour dire que pour réussir sa vie, il faut, un, connaître qui on est. Deux, exploiter le potentiel que l'on a. Trois, aider les gens. Eux tous, ils disaient la même chose. C'est exactement ce que disait l'islam. Connais ta nature d'âme. Connais ta nature de servant. Connais ta nature de serviteur du Créateur. Connais ta valeur de croyant. Connais-la. Ensuite, exploite tout ton potentiel pour devenir un véritable croyant et pour améliorer ton comportement, pour te réformer encore et encore. Et quand tu as fini, fais la charité. Fais la zakat. Et quand on dit zakat, c'est pas donner de l'argent. Non. C'est d'être avenant, d'être dans l'aide, d'être dans la générosité. Toujours dans la vérité, toujours dans la juste mesure. Donc moi, j'ai dit, mais attends, quand même. Donc, tous ces gens-là, c'est-à-dire que tu sois sportif, que tu sois rabbin, que tu sois moine, que tu sois un grand acteur, que tu sois une grande chanteuse, ils disent tous la même chose. Connais-toi toi-même, exploite ton potentiel et puis aide les gens avec ce potentiel-là. J'ai dit, OK, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris, Seigneur, j'ai dit, j'ai compris. Si j'ai bien compris là, le chemin que tu as tracé, c'est-à-dire que d'abord, il faut se connaître. Ensuite, il faut chercher à exploiter son potentiel. Ensuite, il faut chercher à aider les gens avec ce même potentiel. Si j'ai bien compris, valide-moi. Si j'ai bien compris, montre-moi des signes. C'est ça. J'ai demandé, Seigneur, s'il te plaît, moi je connais rien. Je connais rien du tout. Même lire le Coran, là, je connais pas. Je me fie à toi. Montre-moi des signes qui me disent que j'ai bien compris le message, là, de toutes ces personnes. Avec mon petit entendement, avec ma raison, j'ai vu que Dieu, hey, il m'a exaucé.
Petit à petit, aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je vois graduellement, petit à petit, il m'a fait suivre tout ça. Petit à petit, il m'a fait suivre tout ce chemin-là. Il m'a montré comment j'étais. Dans les dimensions visibles comme les dimensions invisibles. Dans ma chair comme dans mon intellect. Il m'a montré comment je suis. Il m'a montré comment je suis. Il m'a montré mon potentiel. Il m'a montré de quoi je, comment je peux être à mon maximum. Comment je peux être à mon maximum? Le rêve de devenir la femme, l'épouse aimante et la maman aimante, il est toujours là. Mais Dieu, plus le temps passait, plus il m'a montré que, hé, Madame Luce, tu peux faire plus, hein? Ça n'empêche pas. Il y a d'autres choses. Tu peux aider de beaucoup de manières. Tu peux faire plus. Tu as les capacités pour faire plus. Voilà. Tu as les capacités pour faire plus. Et puis, plus le temps passait, plus Dieu m'éprouvait. Moi, j'aimais l'inconfort. Je dis, Seigneur, franchement, franchement, tu m'envoies du lourd, hein. Ce n'est pas des petites épreuves. Là, ça me fait peur, mais au moins, je sais que c'est quelque chose que tu me réserves, c'est quelque chose de du lourd. Moi, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, mais quand même, donne-moi un peu de force parce que ça fait mal, quoi. Ça fait mal, hein? Oh, oh, je pleure et je continue à pleurer. Mais je dis, bon, je sais qu'il y a du lourd qui arrive. J'accepte. Ça fait partie des lois. J'accepte. J'accepte ça. Et donc, plus le temps passait, plus je voyais que j'arrive à un moment, je vois que la mission de vie, comme je vous ai dit, la mission de vie, la légende me choisit. Et fallait me voir à cette époque. Fallait me voir à cette époque. Je me lève, je me rappelle, je me levais le matin. Il y a l'image de ma mission de vie qui s'amène à moi. Et j'ai fermé les yeux, j'ai dit, Seigneur, non, ça c'est trop dur, ça. Oh, moi je veux pas ça. Moi je veux pas ça. Ça c'est quoi ça? Ça c'est trop dur. Moi je t'ai dit, je vais être une femme aimante avec un petit bébé, être pomponner le bébé, jouer avec lui, chanter avec lui, le bercer. Toi tu m'envoies une légende. Ça c'est quoi? Non, non! J'ai fermé les yeux comme ça, j'ai fermé les yeux. Et puis je me levais tous les matins avec cette idée-là. Cette idée-là de faire ça, de faire ça, de faire ça. J'ai dit, ah! Non. Seigneur, je vois que tu m'envoies vers des choses qui me font peur là. Je vois que tu es en train de me dire que c'est toi qui es aux commandes. J'accepte que c'est toi aux commandes. Mais quand même, apaise mon cœur. Parce que mon cœur là, il commence à avoir peur. Mon cœur, il commence à avoir peur de ce que tu m'envoies. Mon cœur, il commence à avoir peur du futur. Donc, envoie-moi quelque chose pour m'apaiser un peu. Parce que ça me fait peur. Il m'a envoyé. Oh, est-ce que vous connaissez votre créateur? Est-ce que vous connaissez votre créateur? Le créateur du monde visible et invisible, le créateur de toutes choses, le créateur des créatures, le créateur des humains, le créateur des diamants, des pierres précieuses que vous êtes. Est-ce que vous le connaissez? Il m'a envoyé des signes, même moi j'ai levé, et je me rappellerai toujours ce jour-là. Quand j'ai vu les signes là, j'ai fait position I. Est-ce que vous connaissez la position I? La position I, c'est quand c'est comme ça. T'es au garde à vous. J'étais au garde à vous tout de suite. Seigneur, j'ai compris. J'admettais. J'arrête mon insolence. J'arrête mon insolence. J'ai compris. Il m'a envoyé des signes vraiment. Moi-même, j'ai été étonnée. J'ai dit, c'est que Dieu là, il rigole pas avec moi. Il m'a rappelé que, oh, c'est pas moi qui commande en fait. C'est lui le réalisateur. Il m'a rappelé que c'était lui le réalisateur et que j'étais qu'une simple actrice. Il fallait que je redescende. Il fallait que je fasse preuve d'humilité. Il m'a rappelé sa position, il, les amis. Ça vous fait pas rire, hein? Ça vous fait pas rire. Ok, Fatoumata rigole un peu parce que franchement, franchement, moi, là, j'y pense, je rigole, mais ce jour-là, je rigolais pas. J'ai dit pas. J'étais dans la rue comme ça, j'ai ouvert la bouche. C'est-à-dire que le signe qu'il m'a envoyé, mais moi, j'ai fait, ah? Non. J'accepte. C'est toi qui es grand. C'est toi qui es le plus grand. C'est toi qui es le plus robuste. J'accepte. Jerry a dit depuis tout à l'heure, je ris. Ok, faut mettre les rires comme ça, je sais que vous êtes là. Parce que moi, je vous vois pas. Vous me voyez, moi, je vous vois pas. Donc, après la position I, je suis rentrée chez moi calmement. J'ai prié, j'ai levé les mains, j'ai dit, Seigneur,
Seigneur, j'ai accepté la légende, hein. Mais c'est du lourd, hein. Moi, je m'abandonne. Moi, franchement, j'accepte ce pari parce que si c'est toi qui me guides, j'accepte. Je n'ai pas peur. Si c'est toi qui me guides, je n'ai pas peur. Mais donne-moi la force, hein. Parce que là, le point A que je suis là, le point de départ que je suis, et là où tu veux m'envoyer, ça a l'air d'être du lourd, hein. Ça a l'air d'être du lourd. OK. C'est comme ça que petit à petit, Dieu m'a ouvert des portes, les amis. Moi, j'ai dit, eh Seigneur, faut doser. Il s'agit de doser. Parce qu'après, je veux me saucer, là. Je veux me sentir vraiment privilégiée. Il m'a envoyé vers des coins. Il m'a fait faire des rencontres. Même quand j'y pense, je dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Moi, je côtoie des gens comme ça. Moi, des gens comme ça peuvent m'approcher. Moi, je suis qui, puis des gens comme ça me côtoient. J'étais choquée. J'étais choquée. Et puis, je voyais, je savais que c'est Dieu qui m'a dit, oh, c'est pas toi qui es aux commandes. Tu n'es pas la réalisatrice. C'est mon film. Tu es une simple actrice. Faut aller là-bas. Faut aller là-bas. Oh, faut faire ton rôle là-bas, là. Tu arrêtes tes bêtises. Oh, Madame Luz. Madame Luz, va là-bas. C'est comme ça. C'est comme ça que je me voyais. Franchement, c'est comme ça que je me voyais. Je voyais que franchement, Dieu, il m'appelait. Il m'appelait à aller dans des endroits que je ne côtoie, que je ne vais pas, pour rencontrer des gens que je ne connaissais pas, mais ces gens-là me donnaient des opportunités. Ils me donnaient des opportunités pour ouvrir mon cerveau, pour ouvrir mon cœur à exploiter mon potentiel. Dans cette légende-là, il y a Madame Luz. La légende-là, il y a Madame Luz. Madame Luz-là, ça fait partie. Je le dis haut et fort, je n'ai pas honte de dire ça. Je n'ai pas honte. Madame Luz, ça fait partie. Moi, quand j'ai commencé Madame Luz, vous saviez, j'avais même pas Insta. Insta, là, je ne connaissais pas. Je ne savais même pas ce que c'était quoi. Ma soeur, de temps en temps, m'envoyait des trucs de rire, là. Des trucs un peu vidéo-gag, des trucs comme ça, comme ça. Je dis, OK, elle peut m'envoyer ça. Peut-être elle me dit, oh, tu peux ouvrir ton Insta. L'application, je n'avais pas. Les réseaux sociaux, là, bon, ça ne me disait rien. Et puis, c'était cet été. C'était cet été, j'ai rencontré une femme, ma business coach Diamant, FM Administration. D'ailleurs, elle sera là pour le live de samedi. Notez bien samedi, business live, business woman live. Donc, elle était là. Et en fait, on se connaît dans l'entourage familial. Et elle m'a dit, je te veux dans mon équipe. Quand je lui ai parlé un peu de mon profil, moi, j'ai un profil littéraire. Je suis dans la recherche, dans la linguistique, dans les sciences du langage. Elle m'a dit, je te veux dans mon équipe. Moi-même, j'ai dit, là, mais tu me vois pourquoi? Les amis, je comprenais pas. Mais comme je vous ai dit, j'aime l'inconfort, j'aime les challenges, j'aime les défis. Donc je dis, OK, qu'est-ce que je perds? Je perds rien. Je perds rien. Donc elle m'a dit, je te veux dans mon équipe, je veux que tu travailles avec moi, je veux que tu travailles dans mon agence. Je dis, moi-même, je lui dis, je me rappelle, je lui dis, je connais zéro, zéro, zéro. Elle me dit, ne sois pas modeste, d'accord? Je te veux dans mon équipe. J'ai dit OK. Elle avait fait un salon, un événement entre entrepreneurs. Elle a fait un salon d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs. Il fallait voir qui était là. Ce n'était pas n'importe qui, hein. Il fallait voir les gens qui étaient là. Des femmes accomplies dans l'entrepreneuriat. Des femmes qui projettent d'exposer leurs produits aux Galeries Lafayette. C'est ça, c'était ce genre de femmes-là. Des femmes qui étaient tellement, tellement douées. Il y avait une jeune fille, elle avait 20 ans, elle avait fondé sa propre marque de cosmétiques, elle avait fait son magazine, elle était en même temps étudiante, entrepreneur. C'était un salon d'entrepreneurs, hein. C'était ce genre de gratin qu'il y avait. Il y avait des juristes. En fait, il y avait des femmes tellement, tellement gradées. Il y avait des médecins, etc. Moi, j'étais là, j'ai dit, je viens en tant que porteuse de projet. À l'époque, mon projet, là, c'était de rentrer dans un institut d'informatique, parce que je voulais un petit peu m'intéresser à l'informatique. À ce moment-là, quand je suis partie, elle m'a dit, je me rappelle, elle a pris mon manteau et tout, elle m'a débarrassée, elle m'a dit, t'as présenté quelque chose, t'as une clé USB et tout. Moi, j'étais là, présenter quoi? J'ai présenté quoi? J'ai fait quoi, moi? Moi, je connais quoi, puis je vais parler là-bas. Je connais quoi? Donc, moi, je suis là, j'acquiesce, j'acquiesce. Je dis oui à demi-mot. Et puis, en fait, elle, dans son événement, elle avait dit qu'en fait, on était à peu près une dizaine. C'était très intimiste, c'était très chic. Elle m'a dit, chaque femme qui est là,
va se présenter et va projeter en fait leur présentation. Les gens passent, les gens passent, les gens passent. Et moi, je dis, après, elle me dit, mais toi, tu vas passer à la fin. Hein? Ne t'inquiète pas, tu vas passer. Elle m'a bien fait comprendre que tu vas passer, en fait. J'étais là, oui. J'étais là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire là-bas? Moi, j'ai fait quoi et puis je vais parler? J'ai fait quoi et puis je vais parler? Dans ma tête, tout de suite est venue une phrase qui clairement révélait ce qui me parlait à ce moment, c'était de dire, chaque rencontre est une leçon. Ça, c'est une devise que j'ai. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, que ce soit un alcoolique, que ce soit un nécessiteux, que ce soit un ministre, que ce soit un maire, que ce soit un enfant, j'essaye de me demander, quelle est ma leçon? Quelle est ma leçon avec ce petit enfant? Quelle est ma leçon avec cet alcoolique qui m'a insulté? Qu'est-ce que je dois apprendre avec lui? Donc, chaque rencontre est une leçon, ça m'inspirait. Je me disais, ok, je vais te dire ça. Parce que clairement, c'est ma rencontre avec elle qui m'a amenée ici. Qui m'a amené ce genre de, ce genre d'influence. Jarry a dit, écris un livre. Oui. Le livre va sortir, madame, ne t'inquiète pas. C'est pas juste un. Nous toutes ici, on doit écrire un livre. Parce que vous avez tous des parcours diamants. Je connais tous vos parcours. Si vous êtes là, c'est que vous avez des parcours diamants. Vous devez tout écrire pour montrer la grandeur de Dieu, pour montrer comment Dieu élève ses créatures. Donc moi, j'étais là, bon, je vais m'inspirer, je vais me dire, ouais, chaque rencontre est une leçon. Je suis arrivée, je me rappelle, non, j'allais dire, c'est la tenue que j'avais mis. Non, j'avais pas mis cette tenue-là. Bon, j'avais mis ma petite robe verte, là. J'étais là, en plus, je me rappelle, oh mon Dieu, je repense. Elle m'a dit, bon, ben voilà, j'ai pas de présentation, hein, je veux parler à l'oral. Je commençais à parler, blablabla, blablabla. Vous connaissez Madame Lou, ça c'est mon travail. Je commençais à parler. À la fin, je vois leur visage. Tout le monde écarquille les yeux. Je me rappelle toujours de FM Administration. Elle m'a regardé en ouvrant les yeux en disant, tu m'as scotché. Tu m'as bluffé. Les femmes, elles venaient à moi et c'est des femmes qui étaient beaucoup plus âgées que moi, beaucoup plus expérimentées. Elles me regardaient avec beaucoup de curiosité. Elles me disaient, toi, tu n'avais pas confiance en toi, toi? Et moi, j'étais là, oui. Enfin, en fait, je ne comprenais pas leur engouement. Parce que pour moi, franchement, j'ai parlé comme, bon voilà, j'ai dit un petit peu ce que j'avais sur le cœur, mais sans plus. Mais elles m'ont toutes dit, non, franchement, tu devrais te lancer dans le coaching de vie. Franchement, lance-toi, 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 lance-toi. Bon, j'ai entendu ça, mais je me suis dit, bon, bah, à voir, ça peut être une bonne idée, mais sans plus. Le lendemain de la cérémonie, là, cet événement, ma business coach, elle m'a rappelé tout de suite. Elle m'a dit, je te veux dans mon équipe. Dis-moi tes disponibilités. J'ai dit, eh, c'est quoi ça encore? J'ai dit, je vais aller. J'ai quoi à perdre? Je vais aller. Je vais là-bas. Elle m'invite chez elle. Est-ce que vous vous rendez compte de l'honneur? Elle m'invite chez elle. Elle m'ouvre les portes de son intimité. Et elle me dit, voilà, j'ai envie que tu me dises qu'est-ce que tu peux m'apporter dans mon entreprise. J'ai besoin de fraîcheur, de jeunesse, etc. Donc moi, je lui explique. Je suis cash. Je dis, moi, je connais rien en marketing. Oh. Si c'est marketing, oh, moi, je connais rien. Si c'est entrepreneuriat, là, moi, je connais rien. Elle m'a dit, non, 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 non. Bon, elle a commencé à me donner des petites tâches à faire. Elle a commencé à me donner des petites tâches à faire. Regardez, regardez qui est là. Nissa Boss. La Boss. La Boss, oh. La Boss. Nissa Boss. La femme diamant. Ouh! Que des guests. Walaiki salam, ma belle. Bisous. Mouah. Donc, quand elle m'a donné ça, moi, je me suis dit, mais attends. Mais attends. Moi, je vais faire ça pour faire quoi? Je suis rentrée chez moi. J'ai passé tout l'été, les amis. Tout l'été à avaler du contenu. Insta, là, je ne connaissais pas. D'ailleurs, je suis tombée sur Nissa Boss. Nissa Boss que vous voyez là. Je suis tombée sur elle. J'ai vu ce monde-là. Je lui ai même envoyé un message en privé. J'ai dit, franchement, merci. Parce que là, j'ouvre mes yeux sur un autre monde. Je ne savais pas qu'on pouvait être diamant comme ça. Je ne savais pas qu'une femme pouvait avoir autant, autant, autant de brillance. Elle m'a tellement inspirée, cette femme-là. Je suis allée dans les abonnés de ma business coach. J'ai vu toutes les personnes qu'elle suivait. Je suis partie leur parler pour leur dire que non, merci. En tant que femme noire, en tant que femme voilée, elles inspirent tellement. Elles inspirent tellement. Je les ai parlé. Et en plus, ce sont des femmes mais qui sont remplies d'une humilité incroyable. Elles m'ont répondu très vite, avec beaucoup de douceur, beaucoup de diamanterie. Si vous ne connaissez pas Nissa Boss, abonnez-vous. Abonnez-vous, vous attendez quoi encore? Donc,
Quand j'ai découvert ce monde-là, j'ai dit, OK, moi, petit à petit, je vais essayer de faire petit à petit mes choses, mes choses, mes choses. Plus je grandissais, plus Dieu, il m'envoyait en fait vers des gens qui m'aidaient à grossir mon travail, qui m'aidaient à valoriser mon travail. Voilà. Février, le mois dernier, on a fêté, les amis, écoutez bien, on a fêté les 200 abonnés. Je voulais faire une fête diamant pour honorer toutes les femmes qui m'ont suivi et qui ont compris mon message. J'ai fait une fête diamant en privé. On est à peu près une dizaine. Les places sont parties très vite. Une dizaine. Une dizaine. Et puis après, quand on a fait ça, quand on a fait la fête diamant, j'étais tellement fatiguée, les amis. Parce que l'envers du décor de l'entrepreneuriat, c'est qu'on s'épuise. Et surtout quand c'est le début. Parce qu'on veut tellement apprendre. Personnellement, je le dis, j'ai tellement, tellement, tellement pris de mon temps pour apprendre, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, je ne voyais pas le temps passer, je m'épuisais, vraiment. Alaykoum salam, ma belle Aurélie, une femme diamant, c'est avec elle que je vais faire le live sur le piment. Comment pimenter son palais diamant, vendredi. Donc, quand j'étais dans ce processus-là, je me suis dit, 19 février, je me rappelle. Est-ce que vous vous rendez compte, les filles? Parce que là, attendez. Là, on va toucher à quelque chose de très technique pour vous rendre compte que ce n'est pas moi qui choisis, c'est Dieu. On a commencé le 20 octobre, sur mon Insta d'avant, là. C'était le 20 octobre que j'ai commencé à avoir une autre lignée éditoriale parce que j'ai rencontré une community manager que je connaissais très bien qui a accepté de travailler avec moi. Le 20 octobre, on a commencé. J'ai décidé de faire la fête Diamant pour célébrer ma victoire personnelle le 20 janvier. Le 20 janvier, ça n'a pas pris. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens m'ont dit non, c'est les vacances et tout. J'ai dit ok, on recule. J'ai posé le jour du 19 février. Écoutez bien, hein, écoutez bien. 19 février. 19 février. Pour fêter les 200 abonnés. Écoutez, je suis partie dormir. Nissa Boss me contacte la semaine. Elle me dit, je te veux dans mon live. Je veux que tu interviennes dans mon live. Moi, j'étais tellement fatiguée. Et comme vous savez, Nissa Boss, elle a deux comptes. Elle a BFZ et Nissa Boss. Elle m'envoyait rien. Depuis le début de la semaine, elle m'envoyait pas de rappel. Je voyais dans ses stories, elle parlait pas du live. Donc, j'étais un petit peu étonnée. Moi, j'étais fatiguée. Samedi, là, j'étais fatiguée. J'ai dit, bon, je vais aller dormir comme ça, là. Je vais aller dormir, je vais profiter. Je vais dormir. Comme elle m'a oublié, je vais aller dormir. Dimanche, je lui envoie quand même un message. Je dis, ma belle, tu m'as pas oublié et tout. Elle m'a dit, mais si, ça n'a pas lieu sur le compte de Nissa Boss, mais sur BFZ. Va là-bas sur BFZ. J'ai dit, ok. J'ai vu effectivement dans la story de BFZ, elle faisait tourner ça. J'ai dit, ok. Je suis partie dans les lives. Je suis partie dans le live. J'ai fait à peu près une vingtaine de minutes. Est-ce que vous voyez là la symbolique du vin? Quand c'est terminé le live, j'ai vu, il y a plus de 200 abonnés, plus de 300 abonnés qui sont montés. J'ai dit, on était passé à 300, 600, pardon, 600 abonnés. J'ai dit, ah, Seigneur, vraiment? Waouh, ok, merci, Alhamdoulilah. Bon, voilà, c'est Mashallah, c'est toi, Seigneur. De toute façon, moi, c'est pas moi qui ai parlé, c'est toi. Voilà, donc je me suis couchée. Je me lève le matin, je vois, on est à 700. Je dis, mais attends, il s'est passé quoi là? Il s'est passé quoi là? Je contacte ma community manager, je lui ai dit, tu peux aller voir le compte, s'il te plaît? Parce que c'est elle, elle gère le compte. Je lui ai dit, tu veux pas voir le compte? Elle m'a dit, waouh, mais est-ce que tu te rends compte que là, il y a des gens qui apprécient ton message, il y a des gens qui comprennent ton message. Et c'était le 20, justement. Le 20! Le 20 février, parce que c'était le lendemain de la fête Diamant. Donc la symbolique du 20 est toujours là. Le 20 octobre, on a commencé. Le 20 janvier, il était censé avoir une fête. Le 20 février, plus de 700 abonnés sur le compte. Moi-même, j'ai dit, ah, Seigneur, c'est toi que je dois remercier. Parce que cette symbolique du vin-là, elle m'est chère. Et c'est pas fini, les amis. Attendez. Attendez, j'arrive. Je dois fermer la caméra parce que j'arrive. Je vais vous amener les preuves. Pour pas que vous dites que je fabule. Attendez, hein. J'arrive. Un live diamant. Parce que franchement, il faut le voir pour y croire. Il faut le voir pour y croire, les amis.
Le jour de la fête diamant, j'avais acheté de la décoration. Eh Seigneur, j'ai envie de pleurer. J'avais acheté de la décoration. J'avais acheté des ballons pour faire les 200. Yi, j'ai envie de pleurer là, il a voix. Deux. Je tremble, les amis, franchement, il faut pas que je pleure. Deux. 200, hein. Regardez. C'est-à-dire que le ballon qui est censé faire le 200, il s'est dégonflé. C'est le 20 seulement qui reste. C'est le 20 seulement qui reste. Eh Seigneur, là, il a Allah. C'est le 20 seulement qui reste. C'est-à-dire que là, je n'ose même pas les dégonfler. Pourquoi? Parce que c'est une symbolique. Pour dire que oui, Madame Luce, c'est vraiment la fête diamant. La fête diamant, elle a lieu le 20, comme tu l'as décrété. C'est pas fini. C'est pas fini, les amis. C'est pas fini. Je suis en train, je travaille à côté de ça. Je suis très active sur d'autres projets. Parmi ces projets-là, j'ai ouvert une autre chaîne YouTube. J'ai ouvert une autre chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, je l'ai ouverte en décembre, fin décembre. On a atteint les 200 abonnés. On a atteint les 200 abonnés. Et sur YouTube, hein, pas sur Insta. Quand j'ai travaillé dessus, je me suis dit, pour honorer quand même mes abonnés, je dois faire un live. Sans m'en rendre compte. Je prends Allah pour témoin. J'ai fait le live là. On est le combien? On est le 20, 23? Attendez. On est le combien? Le 23. J'ai fait le, bah oui, c'était samedi dernier. J'ai fait le live le 19 aussi. Et ça a duré de la nuit du 19 jusqu'au 20. Allahu Akbar. Du 19 jusqu'au 20. Et le live a fait un carton. Le live a fait un carton. J'ai eu des retours incroyables. Des gens qui ont pleuré durant le live. Parce que c'est un live, bon, ça touche à un sujet très sérieux. Ça touche à un sujet de l'âme. Parce que comme je vous ai dit, je travaille beaucoup sur la conscience de l'âme. Donc, quand j'ai vu ça, en fait, je me suis endormie. Mais j'étais frissonnante, j'étais tremblante. En fait, je me disais, mais il y a un truc là que j'ai loupé dans le live. Là, il y a quelque chose que j'ai loupé. J'ai regardé le calendrier. J'ai dit, hein, on est le 20. On est le 20 mars. Allahu Akbar. Allahu Akbar. On est le 20 mars. C'est pour ça que je vous dis, la légende, elle ne vous choisit pas. Non, ce n'est pas vous qui choisissez votre légende, c'est votre légende qui vous choisit. Et c'est Dieu petit à petit qui va vous montrer, qui va vous donner là où est-ce que vous devez aller. Là, vous devez montrer votre potentiel. Honnêtement, je ne me sens pas supérieure à vous. Non, jamais. Abadan. Je ne me sentirai jamais supérieure à vous. Par contre, je sais que Dieu, il est clairvoyant sur la manière dont j'ai cherché à tout prix à savoir qui j'étais. Il sait comment j'ai accepté ce défi d'être légendaire. Il sait que j'ai cherché à tout prix à fouiller, à tréfouiller au fond de moi pour savoir qui j'étais. Il y a un prix de ça. Il y a un prix. C'est extrêmement douloureux. C'est pour ça que moi, les coachings que je fais, je dis toujours aux filles, est-ce que vous êtes prêtes? Je dois les évaluer, je dois les écouter pour savoir si, émotionnellement, est-ce qu'elles sont prêtes ou pas? Parce que c'est du lourd. Comme je vous ai dit, la première étape du taillage d'un diamant en haute joaillerie, c'est comment s'appelle le clivage. On enlève les impuretés. Et quand on enlève, c'est une purification. Il faut passer un peu par la douleur. Parce que la douleur, ça permet d'enlever beaucoup. Voilà. C'est comme le citron, là, sur une plaie ouverte comme ça. Là, quand tu mets le citron, ça permet de bien purifier. Mais le citron, ça pique. Donc, est-ce que vous vous rendez compte, les ballons, là, ils sont là. Certains vont dire, oh, ça, c'est rien, ça. Pour toi, c'est rien. Mais pour moi, les ballons qui sont là, je n'ose pas les dégonfler. Parce que dans mon cœur, il prouve que non, Dieu, il a vu à quel point c'était difficile pour moi d'accepter ce pari. Il a vu à quel point j'ai pleuré. Il a vu à quel point je m'abandonnais uniquement à sa décision. Que j'ai accepté que c'était lui le réalisateur. Donc toi, madame qui m'écoute, tout ce que je te dis, ça doit être la preuve que moi, je ne suis rien. À côté de vous, je ne suis rien. Vous êtes des femmes incroyables. J'entends des histoires de femmes incroyables. Mais chacun, à son niveau, a sa légende à accomplir. Il n'y a pas de petite légende, il n'y a pas de grande légende. Chaque légende est incroyable. Chaque légende est diamant. Chaque légende est diamant.
Donc toi, madame qui m'écoute, tu te dois à tout prix de connaître qui tu es pour ensuite accepter de te tailler, pour ensuite accepter que ta mission de vie te choisit, toi, et d'apporter ta clé à l'univers. Parce que Madame Luce, c'est quoi en soi? Madame Luce, c'est le condensé de tout ce que j'ai appris ces dernières années, de tout ce que Dieu m'a accordé comme honneur et privilège d'apprendre auprès des gens que je considère. Tout ce que je vous dis en live, ça ne vient pas de moi, hein. C'est seulement ce que j'ai appris. C'est seulement ce que j'ai compris. C'est seulement ce que j'ai trimé pour apprendre. Donc toi, madame qui m'écoute, quelle est ta légende? Quelle est ta légende? Où est-ce que tu vas aller? Et bien évidemment, ma légende dans ma tête, elle est là. Je ne l'ai pas oubliée. Mais je sais que quand je vois le cycle, quand je vois ce que Dieu m'envoie, là où il m'envoie, je sais que là, il veut m'envoyer par tel chemin. Là, il veut m'envoyer ici. Là, il veut m'envoyer. En fait, il trace, il me trace déjà. Parce qu'il sait que là, c'est pas fini. Et si je meurs, peut-être qu'il y a une personne dans ce monde qui dira, le message de Madame Luce, je l'ai entendu. Je l'ai entendu et je l'ai compris. Et peut-être que ce sera ça, ma légende. Parce que, ah oui, il faut savoir aussi que ta légende, malheureusement ou heureusement, tu ne pourras jamais savoir si cette légende-là, elle est impactée autant que dans ta mort. Parce que c'est dans ta mort que les gens se rappelleront de ton accomplissement, de l'impact que tu avais dans leur vie, de ton aura, de ton énergie, de ce que tu disais. C'est ça. Je pense à quelqu'un particulièrement qui, moi, m'a beaucoup marqué dans son processus d'apprendre qui je suis et tout. C'est moi les arts extrêmes. J'aime énormément les arts extrêmes. Attendez, je vais chercher mon chargeur là parce que mon téléphone, je le connais, il est trop capricieux. Voilà. Est-ce que ça charge là? Ouais. Donc, les arts extrêmes, j'aime beaucoup. Genre, tout ce qui est vraiment sport de combat, sport extrême et tout, course dans la nature et tout. Et moi, je suis trop. J'aime, en fait, comme je vous ai dit, j'aime l'épreuve. J'aime le challenge. Donc, ça, c'est des sports vraiment qui te mettent à fond, quoi. Donc, quand j'ai vu ça, coucou, Precious Box, bisous, moi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ok, Mohamed Ali, il est considéré comme une légende. Voilà. Et j'ai cherché, je me suis dit, mais pourquoi il est légendaire en fait? Qu'est-ce qu'il a fait de si légendaire? Qu'est-ce qu'il a fait de si légendaire cet homme? Je suis partie dans sa biographie, j'ai lu, j'ai dit, ouais, j'ai compris. C'est que lui, il a toujours cherché l'épreuve. Il a toujours cherché, il s'est converti, il a renié, je crois, la guerre au Vietnam. Franchement, il a fait des choses incroyables. Il a fait des choses incroyables et jusqu'à maintenant, quand on pense à la légende, on l'appelle, d'ailleurs c'est son surnom, la légende, le légendaire Mohamed Ali. Et c'est tout ça, c'était malgré lui, hein. Tout ça, c'était malgré lui. Il a jamais choisi d'être légendaire. Non, c'est les gens qui, quand ils ont vu ses accomplissements, ils pouvaient que dire non, cet homme est légendaire. Cet homme est légendaire, qu'on le veuille ou non. Je pense aussi à une interview aussi qui m'a beaucoup marqué de Kémi Séba. Pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un qui défend beaucoup la cause panafricaniste, c'est-à-dire voilà, de redorer le blason des Noirs qui a été beaucoup, l'image des Noirs qui ont été beaucoup souillés, qui a été beaucoup souillée. Et du coup, lui, voilà, clairement, il cache pas ses mots. Et c'est un homme, en fait, qui se place en tant que vraiment comme grand porte-parole de la cause afro, de la cause vraiment panafricaniste, quoi. Et je me rappelle, j'ai regardé une de ses interviews. Et c'était Aïssa Moments qui lui donnait cette interview-là et lui a demandé, est-ce que tu es un leader? Quel genre de leader comment tu t'écris? Et il a dit, honnêtement, je ne pourrais jamais avoir la prétention d'être un leader. Honnêtement, j'aspire à une vie extrêmement simple. Mais c'est le peuple qui est venu à moi. C'est le peuple qui m'a demandé de porter un message. Et en tant que créature, je me dois d'accepter
ce pari qui est d'aider mes frères. Mais je n'ai pas choisi. Si je le pouvais, je ne ferais pas. Mais c'est parce qu'il y a une demande. J'ai dit, ouais, c'est ça la mission de vie. C'est pas lui qui a choisi. Ta légende, ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est ton potentiel qui attire les gens à vouloir de toi. Voilà. Donc, les amis, est-ce que vous avez compris un peu le live? Est-ce que vous avez compris un petit peu la grandeur et l'importance d'estimer à sa juste valeur? Parce que tout part de là. Dès que tu sais qui tu es, tu sais comment exploiter à fond ton potentiel. Et personne, c'est ça aussi une triste réalité, c'est que personne viendra te prendre la main et te dire où est ta légende si c'est pas toi. Ça, c'est triste aussi, parce qu'on ne nous l'a jamais appris. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais appris. Si je n'avais pas cherché, franchement, personne ne me l'aurait dit. Personne ne me l'aurait dit. Mais c'est toi seul qui dois investir en toi-même. C'est toi seul qui dois prendre de ton temps pour dire non, j'ai envie d'apprendre avec les plus grands. J'ai envie de côtoyer les gens qui vont m'aider à grandir. C'est toi seul, seulement. Si ce n'est pas toi, personne ne le fera. Donc, je tenais quand même à vous féliciter, vous qui êtes là, jusqu'à là. Vous êtes là, vous êtes très attentive, ça veut dire que ça vous parle. Ça veut dire que ça vous parle. Ça veut dire que vous savez que vous avez un potentiel légendaire. Je tenais à vous féliciter. Bravo à vous. Bravo à vous. Est-ce que je peux mettre des cœurs? Je vais mettre des cœurs quand même. Des abonnés diamants comme ça là. Non. Où sont les cœurs? Je vais mettre cœur et puis je vais multiplier avec diamant. Voilà. Diamanterie surpeuplée de cœurs. Voilà. Vous êtes franchement, vous êtes des femmes diamants. Vous êtes restées avec ça. Parce que vous savez ce discours que j'ai. Je l'ai autour de moi. Regardez, on est très peu. La plupart des gens ne vont pas s'intéresser à ça. Ça veut dire quoi, légendaire et tout? C'est trop abstrait. Vous, vous êtes là. Vous faites partie de la minorité. Vous faites partie des gens qui n'ont pas honte d'investir en eux, qui n'ont pas honte d'atteindre des objectifs incroyables. Félicitations. Donc, quand j'ai fait les sondages pour montrer dans les lives, dans tous les lives là, de cette semaine, légendaire, là, c'est celui qui n'a pas émoussé les gens. Pourquoi? Parce que ça ne veut rien dire. Dans ma famille même, quand je dis ça, là, on me dit, oh, tais-toi là. Toi, toujours, c'est toujours la même chose. La légende, la légende, la légende. On connaît. On connaît. Je suis là, ok, il n'y a pas de souci. Donc, félicitations. Je suis prête à parier que je vais laisser ça dans mes. Dans mon replay, ce sera un des lives qui sera le moins écouté. Parce qu'on s'en fout, quoi. On s'en fiche. Mais vous, vous êtes là. Donc, bravo. Vous avez vu, on a commencé à combien? Regardez combien on est là. Ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est une minorité. Voilà. Donc, bravo à vous, les filles. Bravo à vous. Fatoumata a envoyé des cœurs blancs. Waouh. Merci, Fatoumata. Ça me touche. Ça me touche. Donc là, on va passer au meilleur moment. Personnellement, c'est mon meilleur moment. C'est vos questions. Des questions de diamants. Des questions qui vont vraiment nous donner envie d'en apprendre plus. Diary pleure, oui. Moi-même, je frissonne. Moi-même, je frissonne. Je frissonne, mon dos frissonne. Parce que c'est trop ce qui se passe dans ce live-là. Trop d'émotions. Trop d'émotions. J'attends vos questions, les filles. Si vous voulez monter, excusez-moi, si vous voulez monter, n'hésitez pas. N'hésitez pas, les filles. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous voulez juste dire merci, même un merci, là, ça me réchauffe le cœur. Merci, là, c'est mon carburant, parce que je sais que vous êtes des femmes d'ambition. Voilà. Coucou, Nabintou, j'espère que tu vas bien, ma belle. Mais vraiment, voilà, je veux que vous gardiez ça à l'esprit. Je veux vous remontrer encore les ballons. Les ballons. Les ballons. Les ballons avec le vin. Et puis, toujours un là qui est dégonflé. Qui est dégonflé. Il s'est dégonflé, mais c'est le vin seulement qui est resté. Diary a dit, comment devenir légendaire avec la difficulté d'être accepté par la masse en général? Voilà, une question diamant. Youh! Non, attendez, attends, moi je vais screen là, parce que ça c'est des questions incroyables.
Sid House a dit merci. Merci à toi, petit cœur. Mouah. Comment devenir légendaire? Je répète la question. Comment devenir légendaire avec la difficulté d'être accepté par la masse en général? Car même si on s'en fiche de ce que pensent les autres, eh ben, on dégage quelque chose de différent. Voilà. Il faut savoir que quand tu es légendaire, il y a un adage qui dit, ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Vole uniquement avec les oiseaux de même plumage. Vole uniquement avec les personnes ambitieuses. Vole uniquement avec les personnes légendaires. Toi-même, Diary, je t'ai déjà dit, tu fais partie de mes coachés. Tu fais partie de mes coachés. Je t'ai dit que toi, ton avenir là, il est tellement prometteur. Quand on a quitté le premier appel qu'on a eu, je t'ai dit, toi, je te lâche pas. Impossible. Parce que quand elle m'a décrit son parcours, quand elle m'a décrit son passé, j'ai dit non. Là, il y a une femme diamant qui est là. Donc, que tu le veuilles ou non, n'aie pas honte. Ça fait partie de la vie. Tu te dois, toi aussi, d'accepter que tu ne vas jamais faire l'unanimité. C'est triste à dire. Regarde Dieu. Dieu lui-même, dans son infiniment générosité, dans son infinie miséricorde, dans son infini savoir, dans son infinie clémence, il ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui ne croient pas en lui. Donc, tu penses que toi, simple créature, parce que tu es légendaire, tu vas faire l'unanimité? Non. Jamais. Accepte cette loi. Plus tôt tu acceptes cette loi, plus tôt tu seras, plus tôt tu, mieux tu seras. Mieux tu seras. Tu t'entoures de personnes qui aspirent à être légendaires. Entoure-toi de personnes qui sont brillantes. Entoure-toi de personnes diamants. N'aie pas honte. Moi aussi, je me rappelle, j'ai eu ce moment-là où je me suis dit, mais attends. Parce que je culpabilisais, je me suis dit, mais Seigneur, quand même. J'ai mes proches qui sont là, j'ai des gens qui me sont chers, mais je sens que mon attraction pour eux commence un petit peu à se délaisser. Et puis, je me suis rappelé de ce que disait l'islam. L'islam nous a rappelé qu'il y a la famille de cœur, certes. Il y a la famille de cœur, c'est vrai. La famille de sang, pardon. Il y a la famille de sang. Mais notre véritable famille, c'est quoi? Notre véritable famille, c'est ceux qui aspirent à la même légende que nous. C'est ceux qui aspirent à la même lumière que nous. Tu peux rencontrer quelqu'un, tu peux rencontrer une personne qui devient tellement, tellement importante dans ta vie. Et pourtant, elle sort de nulle part, quoi. Elle sort de nulle part. Alors que ta famille sont là, tes proches sont là. Moi, je vous le dis dans ma famille, hein, jusqu'à là, là, maintenant, là. On ne me comprend pas. On ne me comprend pas. Vraiment, quand on pense à Madame Luce, on se dit, bon, elle, on ne comprend pas, quoi. Enfin, cette femme, on ne la comprend pas. Je suis vraiment l'incomprise de la maison, l'enfant rebelle. C'est-à-dire que l'enfant, on lui dit, fais ça, il fait jamais. Oui, fais comme ça, va là-bas. Non. Et puis, quand je dis non, je le fais de manière diamant. Hein. Je dis toujours, ben, non, voilà. C'est-à-dire que j'ai un argumentaire tellement, tellement, tellement poussé qu'eux-mêmes, ils ne peuvent plus accepter que, ah! Par exemple, pour Madame Luce, je vais vous révéler tout aujourd'hui, hein, pour vous montrer à quel point je suis partie dans la légendarité. J'ai dit, papa, tu sais, j'ai un projet qui me tient à cœur. Et pour ce projet-là, il faut que tu acceptes que j'ai besoin d'apprendre à être autonome. Parce que dans ton éducation, tu m'as donné tellement d'amour, tu m'as tellement couvé, que le problème, c'est que je suis devenue un petit peu l'enfant gâté. Je suis devenue comme un enfant gâté. Même si mon homme vient à moi, il me dit oui, je peux te donner l'argent, mais bon. En fait, je suis un enfant gâté. C'est-à-dire que j'ai été habituée au confort. J'ai été habituée au confort. Mais le problème de ça, c'est la facilité. Et comme je vous ai dit, on ne veut pas la facilité. Je voulais gagner en responsabilité. Donc, j'ai regardé mon père, j'ai regardé mes proches, et je leur ai dit, à partir de maintenant, vous allez me couper les vivres. Je veux que vous me coupez les vivres. Mon entourage était choqué. Ils ont dit quoi? J'ai dit oui. Je veux que vous me coupez les vivres parce que si vous m'aidez tout le temps, c'est à partir de quel moment je vais connaître vraiment la difficulté. Là, je suis au début. Donc, je préfère souffrir maintenant. Je préfère ne pas manger maintenant et demain manger correctement.
Et je sais que c'est le travail que je me suis faite avec mes propres difficultés. Je leur ai dit, je leur ai donné, mes parents n'ont pas compris, mes proches n'ont pas compris, m'ont dit, mais c'est dangereux. C'est très dangereux, tu es notre enfant quand même. Quand même, on peut pas te jeter dans la nature. J'ai dit, je veux que vous me jetiez dans la nature. Jetez-moi dans l'océan. Quand on se jette dans l'océan, on apprend mieux à nager que quand on est là avec des bouées au bord de l'eau. Je veux que vous me jetez au milieu de l'océan. Je veux aller là-bas. Oui, mais c'est dangereux. Je dis oui, c'est vrai. Calmez vos cœurs. C'est vrai, c'est dangereux. Mais j'accepte ce défi. Hein? Il fallait voir mes proches. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais attends, mais pourquoi tu fais ça? C'est insécurisant. J'ai dit, je cherche ça, là. Le mot même insécurité, c'est ça même que je cherche. C'est ça même que je cherche. Parce que je veux apprendre. Je veux apprendre à être responsable. Je veux apprendre à travailler de mes mains. Dieu merci, comme vous le savez, Dieu m'a facilité. Mais ça veut pas dire que je ne souffre pas. Bien sûr que je souffre. Mais ça me fait rire. C'est une souffrance qui a une bonne odeur. C'est une souffrance qui a un bon goût. Moi-même, je rigole de ma souffrance et de ma misère. Je rigole de moi-même. Je dis, ah, franchement, si les gens savaient, hein, qui est Madame Luce, s'ils savaient où Madame Luce était, oui. Parce que je sais pourquoi je fais ça. Je fais ça pour ma légende. Je fais ça pour pouvoir apprendre tout, 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 tout. Est-ce que vous comprenez un peu le message, les filles? Est-ce que vous comprenez l'importance de d'être diamant, d'être dans l'inconfort? C'est important. Parce que quand je vais apprendre à nager, ce sera jamais comme la personne qui nageait avec ses brassards et puis elle nageait au bord de l'eau, là, avec un maître nageur qui la supporte comme ça, là. Ce sera jamais comme ça. La qualité de la nage, la qualité de ça, c'est vrai, je vais boire la tasse, je vais me nager, puis je vais m'inonder là, je vais m'inonder, même peut-être même je vais frôler la noyade. Mais voilà, c'est ça qu'il faut accepter. Diary a dit, je comprends tout, tout avec toi, ça fait tilt. Oui. Vous voyez Diary comme ça, vous voyez qu'il y a une abonnée qui n'a même pas de photo de profil. Vous le... Ah, ben, il faut que je parle de ton cas, s'il te plaît. Laisse-moi parler de ton cas. Parce que franchement, elle là, cette femme-là, non, vous n'êtes pas prêts, les amis. Je ne sais pas où est-ce que Dieu te laisse ton issue, mais ça va être diamant, ça c'est sûr. Diary, quand elle m'a contactée, comme je vous ai dit, je travaille sur plusieurs projets. C'était par mail. Écoutez bien, par mail. Quand elle m'a contactée, elle m'a dit, oui, Madame Luce, franchement, j'ai entendu tes vidéos, ça m'a parlé. Voilà, juste pour te dire merci et tout et tout. J'ai dit, OK, si tu veux, on peut s'appeler. OK, on s'est appelé. Je lui dis, tu sais, ma belle, j'ai aussi un compte Insta. Je le livre à personne parce que comme je travaille sur plusieurs projets, il faut que je donne. Voilà, que je garde un certain anonymat. Elle m'a dit, OK, il n'y a pas de souci, je vais créer un Insta. Moi, non, moi j'ai rigolé parce que je me suis dit, non, elle ne va pas créer un Insta. Sur ça, elle rigole, là. Elle m'a dit, non, 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 je vais créer un Insta, je vais créer un Insta, dis-moi et tout, je vais le créer. Bon, moi, je connais, il y a des gens qui sont curieux, qui vont juste dire, voilà, ils vont voir l'Insta et tout, mais je me suis dit, bon, elle dit ça pour rigoler, quoi. Le lendemain, les amis, je vois ça, là. La petite photo, là, quand vous voyez, il n'y a même pas de photo. Le petit bonhomme de profil, je vois, il s'abonne sur mes plusieurs comptes, là, les deux comptes que j'ai. J'ai dit, hein? Donc la dame est sérieuse, quoi. C'est-à-dire que cette femme-là, elle a créé un compte Insta juste pour ça, pour écouter mes travaux. Et c'est pas fini, hein? Non, qualité diamant, c'est pas fini. À chaque fois qu'il y avait un live, elle m'envoyait un message. Elle me dit, hey, si tu as un live, dis-moi. Pourquoi ça bug? J'espère qu'il n'y a personne qui appelle. Pourquoi ça bug? Ah, pourquoi ça bug? C'est toujours les moments de diamant que ça bug. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui. Elle m'a dit non. Moi, je peux pas. Mais est-ce que ça bug, les amis, s'il vous plaît? Parce que je sens que ça bug. Oh là là. Non, ça me dérange. Là, on parle des vraies choses et puis ça bug.
Et Seigneur, s'il te plaît, facilite-nous. Les amis, est-ce que vous m'entendez? Dites-moi en commentaire. Parce que je vois que mon âge est décalé bizarre, de façon, façon. Oh là là. Ça m'arrange pas, ça m'arrange pas. Est-ce que vous m'entendez, les filles? Elle a dit oui, un peu. Oui, ça bloque. OK. Bon. Est-ce que là, c'est un peu mieux? Attendez, je coupe ma caméra, je remets pour voir. Oh, ça bug trop. C'est toujours les bons moments, la meilleure partie du film, que ça bug. Ah. OK. Voilà. Donc, à ce moment-là, elle m'a dit oui, c'est pas fini. Donc, non seulement elle a créé un compte Insta, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, Madame Luce, dès que tu fais un live, informe-moi. La fille, elle sortait de stage, c'est-à-dire qu'elle sortait la nuit. Vous savez que moi, mes lives sont très tardifs. Elle sortait la nuit. Elle me disait, oui, dès que tu es en live, elle me faisait des audios comme ça. Dès que tu es en live, tu me dis, tu m'as dit. Moi, je lui ai dit, tu sais, ma belle, il y a ce qu'on appelle notification, hein? Parce que bon, elle ne connaissait pas Insta. Après, elle me dit, oui, mais dis-moi, dis-moi. Et puis, quand on finit le live, là, elle me fait un rapport. Elle me fait un rapport, les amis. C'est-à-dire qu'elle fait des audios de qualité. Mais moi, j'ai dit, quoi? On peut être diamant comme ça. Elle me dit, oui, donc tu as parlé de ça et ça. Mais en fait, ça, mais là, il y a une nuance. En fait, elle l'analyse. C'est-à-dire que des analyses dignes d'argumentation. Des analyses dignes de commentaires composés. J'ai dit, ouais, non. Toi, je te garde à l'œil. Toi, je te garde à l'œil. Jusqu'à maintenant. Sur les deux travaux, hein, comme je vous ai dit, les deux projets que j'ai là, elle est là. Chaque chose que je fais, même si c'est une story, je dis une phrase ou je dis un mot, tout de suite, elle m'envoie un vocal. Elle m'envoie un message pour me dire, là, tu as utilisé ce mot-là. Là, je n'ai pas compris pourquoi tu as dit ça. J'ai dit, ouais, tu vois. C'est des questions diamants. Elle pousse toujours plus loin, plus loin, plus loin, réflexion. J'ai dit non. Toi, tu vas être légendaire. Toi, tu as tout pour être légendaire. Parce que tu aimes comprendre. Tu aimes comprendre le sens des choses. Donc, Diary, félicitations à toi. Félicitations à toi. Parce que vraiment, tu es vraiment une femme que j'apprécie. Parce que tu aimes la vérité. Dans son sens le plus large. Dans son sens le plus large. Et ça, c'est une des conditions pour accéder à sa légende. C'est d'être aussi chercheuse. Voilà. Donc les filles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire des questions aussi diamants. Vous êtes toutes diamants, hein. Franchement, comme je l'ai dit, vous êtes toutes diamants. Donc là, j'attends vos questions. J'attends vos questions, les filles. Moi aussi, ma belle, vraiment, je le répète, tu es un cadeau de Dieu. Pareillement, c'est exactement ce que je pense de toi. Tu es un cadeau de Dieu. Bon, comme vous n'avez pas de questions, moi j'ai une question. Est-ce que vous qui êtes là, vous qui êtes là et qui m'écoutez, est-ce que vous avez trouvé votre légende? Est-ce que votre mission de vie vous a déjà choisi? C'est la question que je vous pose. C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous avez déjà eu l'honneur de sentir ce moment où tu sais que tu as été choisi pour faire telle chose ou telle chose. Tu sais que c'est Dieu qui met comme ça qui ouvre les portes, que tu marches et puis les portes s'ouvrent à toi. Est-ce que tu as déjà eu cet honneur? Si ce n'est pas le cas, madame, investis en toi-même. N'aie pas honte d'investir en toi-même. N'aie pas honte de prendre de ton temps. N'aie pas honte de prendre de ta jeunesse. N'aie pas honte de prendre de ton argent pour investir en toi-même. Parce que personne ne va le faire. Ambitou a dit, moi je pense avoir trouvé, mais j'ai des hésitations. D'accord. Il faut réserver ton premier consulting. Il y a un consulting qui est offert, comme vous le savez, ou celles qui ne savent pas.
Les premières séances de coaching, la première séance de coaching est offerte. Appelle-moi, on va en parler. Réserve dès à présent, on va en parler. Comme ça, je vais t'aiguiller pour te dire que oui, je valide. Je valide. C'est très bien, ma belle, c'est très bien. Merci pour ton courage de nous avoir dit ça. Voilà. Donc, n'hésite pas à réserver. Le premier appel est offert parce que, comme je vous ai dit, mon objectif, c'est d'aider tout le monde, toutes les femmes. Malheureusement, il y a un moment où le nombre, il est un petit peu trop gros. Donc, on doit se concentrer sur celles qui travaillent avec nous. On veut leur accorder le meilleur. Mais bientôt, les sessions de consulting offertes, elles vont fermer pendant un temps pour qu'on se consacre vraiment au groupe avec qui on travaille. Diary a dit, moi, je cherche encore, mais une chose est sûre, j'ai envie d'être utile auprès des plus démunis. Très bien, très bien. Souvent, la mission, la finalité, c'est dans l'aide. C'est d'utiliser votre potentiel pour aider les autres. Vous voyez? Donc, ça peut se faire de plein de manières. Ok. Precious Box a dit, moi aussi, je cherche encore ma mission de vie. Oui, ma belle. Oui, toi, tu as déjà investi en toi. Oui, ça, c'est une abonnée diamant que j'ai déjà eu que j'ai déjà eu en coaching. Ça, c'est une femme qui va bientôt trouver sa mission de vie. Ne t'inquiète même pas, ma belle. Ça va venir. Ça va venir. Tu as raté les étapes du live. De toute façon, il va être en replay parce que je veux vraiment que tu aies tout pour toi. Je veux que toutes les femmes qui viennent sur le compte, elles n'aient plus d'excuses. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas, ma belle. Tu vas trouver ta mission de vie très vite. Coucou Penaïdi, j'espère que tu vas bien, ma belle. Bienvenue sur le live. Donc n'hésitez pas, les filles, si vous avez des questions. Je suis là pour vous. Moi, j'aime quand on a un petit comité, comme ça fait comme des coachings un peu express, quoi. Et sachez que les questions que vous posez, les autres qui regardent le replay, ça va leur servir. Donc ne soyez jamais avare. Pas de tabou ici. Ah là là, je regarde, là je suis en train de regarder les ballons, quoi. Je suis toujours choquée. Je suis toujours choquée. Je dis, Seigneur, franchement, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Le ballon qui s'est dégonflé comme du n'importe quoi. Comme du n'importe quoi. Il s'est dégonflé pour rien. Il n'y a que le 2 et le 0 qui est là. Incroyable. Précieuse a dit oui, j'ai raté les trois quarts du début, je regarderai en replay. Ok, y a pas de souci, ma belle. T'inquiète pas que tu vas apprécier. J'en suis sûre même. Coucou les filles, je vois qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Bienvenue sur le live. Un live qui est en train de prendre fin parce que on avait commencé. Ouais, ça fait à peu près 1h40 qu'on est là. Donc en tout cas, bienvenue et j'espère que vous allez bien. Voilà, que vous allez bien. Donc, je pense que vous avez fini de me répondre. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo à vos proches, à des gens qui ont envie d'apprendre. Envie, que vous savez très bien que ça va leur être bénéfique. Parce que c'est comme ça, en fait. C'est comme ça qu'on crée beaucoup de force. Moi, ce que je souhaite, c'est pas le nombre. Je ne cours pas après le nombre. Je cours après la qualité. Je veux que vous soyez des femmes diamants. Je veux que vous soyez des femmes qui brillent tellement que les autres, quand ils vous voient, ils se disent, mais comment t'as fait? Voilà, c'est ça. Comment t'as fait? C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. C'est que vous soyez tellement brillante que les gens viennent à vous pour vous demander comment vous avez fait et que vous partagez et que vous propagez ce message de paix, ce message si lumineux qui est de devenir légendaire. Voilà les filles. Bon bah là je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles qui arrivent. Coucou les citations qui me parlent. Firdaus Annour, Kika75. Bienvenue sur le live. Il est en train de prendre fin. Donc on se retrouve vendredi. Ouais, c'est vendredi avec le live avec Aurélie. Mon bébé diamant Aurélie. On va parler de l'épanouissement du palais diamant. L'épanouissement du palais diamant. Toi, en tant que femme, tu dois être épanouie dans ton intimité. Ça, c'est important. Donc, c'est une experte en intimité conjugale. Elle va vous aider à vous donner toutes les clés pour être diamant de chez diamant. Voilà. Parce qu'on sait que dans notre cycle hormonal, après la grossesse, voilà, ça nous dit plus rien. Même il y a des humeurs, il y a des moments, en fait, ça nous dit plus rien. Donc, elle va nous donner les secrets
pour que ça nous dit ah, que le palais diamant se fasse visiter correctement. Pourquoi j'appelle ça palais diamant? Parce que c'est le corps de la femme, c'est un temple. C'est un temple qu'on adore. C'est un temple à qui on accorde de l'importance. C'est pas n'importe qui peut toucher. Voilà. Mais quand on le touche, on visite le palais diamant de manière diamant uniquement. C'est tout. Donc les filles, si vous êtes intéressées par ce live, ne ratez pas vendredi et samedi. Alors ce live-là, je sens qu'on va pleurer. Je sens que moi-même, je vais pleurer. C'est un live où on va parler business. Businesswoman, je vais appeler à la barre des businesswomen qui vont venir témoigner de leur parcours incroyable et vous donner des clés pour vous aussi vous inspirer et croire en vos projets qui sont incroyables et vous dire que tout est possible en fait, que tout est possible. Ambitou a dit c'est fait, elle a réservé. En tout cas, je vais aller m'affairer, je vais directement demander à mon équipe de m'envoyer ça et puis ne t'inquiète pas ma belle, on va se parler. Donc je fais de gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt, à vendredi. Allez, bisous. Et d'ici là, brillez, brillez, brillez. Toujours, toujours, toujours. C'était Madame Luce. Ambitou, t'as mis une robe qui danse. Tu as dansé déjà, tu as dansé. Est-ce que tu sais moi la danse que je vais faire après là? Quand je veux voir ton. Non, moi aussi je vais danser, t'inquiète même pas.